Oyez, oyez, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bonjour en fait, puisqu'en fait on est le matin. Bonjour et bienvenue au Game Pass Challenge, mesdames et messieurs. Alors attendez, il va falloir que je me lève avec ce truc, quelle galère. Bonjour, est-ce que vous avez passé une bonne matinée? J'espère que oui. Regardez comme c'est beau. Alors on va parler de tout ça, bien sûr, hein. On va se régaler, mais ici... Aujourd'hui, c'est moi qui accueille les gens. Alors, évidemment, les gens vont être en mode « Putain, il s'est déguisé en roi, ça va, la mégalo, etc. » Mais en fait, c'est une idée de la prod. Et comme d'habitude, moi, je me fais arnaquer sur leurs idées. Et c'est pas grave. Bon, en tout cas, bonjour à vous en ligne. Bien sûr, si vous êtes levé assez tôt pour voir cette compétition, c'est que vous êtes intéressé. Donc déjà, bonjour à vous. On va se régaler. On va passer une journée ensemble absolument exceptionnelle. Et même une bonne partie de la journée. Hein, puisque normalement, ça devrait se finir assez tardivement, on va reparler de tout ça. Aujourd'hui, on a une grosse phase de poule qui va s'enchaîner avec tous les joueurs et ensuite, on aura eh bien 16e et 8e de finale. Ça va durer toute la journée. Certains vont jouer jusqu'à longtemps et certains seront éliminés assez tôt finalement. Et voilà. Mais avant de vous parler de tout ça, mesdames et messieurs, il faut que je vous dise que on a besoin de compétiteurs pour une compétition. S'il vous plaît, regardez à quel point les joueurs sont beaux. Regardez-les, ils sont là. Ils vont vous faire des signes incroyables, ils sont en place tout simplement, ils sont arrivés hier pour certains, certains sont arrivés le matin aujourd'hui. Alors, on n'a pas trop d'absents, ça c'est bien, pas trop d'absents pour aujourd'hui, parce que la plupart sont venus en voiture, donc forcément c'était plus simple, il fallait amener du matériel ici, chacun amène son matériel. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y aurait une phase de poule, donc phase de poule, puis 16e de finale et 8e de finale, demain... On sera en quart de finale, demi-finale et finale. Et tout ça se jouera sur ce magnifique plateau que vous avez pu apercevoir, bien sûr. Donc, incroyable, incroyable. Et ça va être une journée, incroyable. Alors, pour vous aussi, en ligne, vous avez la possibilité de gagner des choses. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un concours PayPal organisé. Tout en sachant que si vous achetez le Game Pass avec PayPal à 1€, eh bien, vous avez une chance d'entrer dans un concours pour gagner des lots absolument magnifiques. Comme par exemple, un magnifique PC, mais aussi des lots absolument majestueux. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je peux vous dire aussi que si vous avez déjà le Game Pass, vous pouvez resouscrire au mois suivant avec cette offre PayPal et vous pourrez entrer dans le concours. Parce que certains ont dit oui, mais si on l'a déjà, c'est dégueulasse, etc. Eh bien non, c'est pas dégueulasse, vous pourrez quand même entrer. Je vous parle aussi du cash prize peut-être. Ces joueurs jouent pour une somme, ils jouent pour 30 000€ de cash prize. Les finalistes gagneront 15 000€ à se partager en deux. C'est une belle somme, une somme qui ne va pas évidemment changer leur vie, mais qui pourra eh bien, les propulser dans un projet absolument incroyable. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ben, on va bientôt commencer. On va bientôt commencer. Il y a plusieurs jeux. On va parler de plusieurs jeux ici. Et pour commenter ce premier jeu, et pour commenter tous les jeux, j'aurai quelques casters avec moi. Mais pour le tout premier jeu dont on va vous parler, il y a une personne un petit peu spéciale qui va débarquer. Je vous demande d'accueillir, et même avec des applaudissements dans la salle, Mister MV, s'il vous plaît. Worms WMD avec Mister MV. Peut-être qu'il faut qu'on mette les casques. Hein. Je pense qu'à ce stade-là... Ah non, te prends pas les pattes. Te prends pas les tapes dans la cape. Okay. On va mettre les casques. Hein. Oui, tu peux pas avancer. Oui, c'est dangereux. Mets le casque, je t'en prie. Voilà. Hop. Allô? Ah non. Allô? Allô? Oh, j'ai formidable. Une de ces coupes de footballeur. Ah ouais, formidable. Alors, on se régale. Bon, ça va, Xavier? Oui, bien ça dormi. Va. Ah oui, j'ai pris moult boissons énergétiques. Ouais. Je sens que ça me fait travailler l'organisme. Ah forcément, les plantes, hein. Oui. Les plantes, ça pardonne pas. Bien sûr. Alors Xavier, donc on est là pour jouer à Worms. Hein. Tout à fait. On est là pour parler de Worms. Worms, c'est un jeu donc on a déjà commenté ensemble dans des compétitions e-sport. Bah le... Hein. Un jeu e-sportif, le main event de la dernière Zilan, bien tout sûr. Tout à fait, incroyable. Tout à fait. La banane, tout ça, on s'en souvient. La banane à 40 000 balles, etc. Alors ici, on parlera peut-être de banane plus chère, on verra plus tard. Non, il fait pas froid, hein, c'est juste que c'était pour le décor. Commence même à faire chaud. Hein. On finira, on finira par les enlever, peut-être ton plus foutre de notre gueule. Quoi. Mais c'était cool, c'était rigolo. Bon, alors, les games de Worms. Alors, il y a plein de joueurs, vous les avez vus, ils sont là, hein, 96 joueurs, ou presque, parce que je vois qu'il y a des absents, hein, notamment là-bas, je vois deux sièges vides.
Terrible, ils sont pas réveillés. Hein. Pourtant, je les ai vus hier. Ah non, c'était ceux du dessus que j'ai vus hier. Bah, tant pis. Gros stuff. Moi, hier, j'ai un petit peu discuté avec les joueurs. J'ai l'impression que beaucoup plus sont venus en termes de tryhard que dans les précédents événements qu'on aurait pu organiser, genre Zilan et tout. Ouais, il y a quelques charlots, mais bon, c'est plus côté. Quelques touristes. Streamer, voilà là. Voilà, quelques touristes qui sont venus, qui m'ont dit ouais, ce jeu-là, je l'ai peut-être pas lancé. Il y en a qui ont donné leur vie, ouais, qui ont FK quelques centaines d'heures. Tout à fait. Il y en a qui ont donné totalement leur vie. Et bon, évidemment, on va jouer sur des jeux e-sport, mais pas que. Des fois, il faudra user de certaines astuces pour pouvoir rentrer dans les modes observateurs, etc. On a fait quelques tests ce matin, puisqu'il y a même des patchs qui sont arrivés depuis avant-hier, qui ont modifié des choses, etc. Mais voilà. En tout cas, c'est Worms qu'on va découvrir pour certains et peut-être redécouvrir pour d'autres pour ces premiers matchs. Alors les gens sont en train de s'inviter, évidemment. On est ici pour jouer au Game Pass. Alors qu'est-ce que c'est le Game Pass, Xavier? Tu pourrais nous parler du Game Pass peut-être? Qu'est-ce que tu connais du Game Pass? C'est mon boulot ça maintenant? Non, mais je sais pas, j'aime bien. Oui, non, mais le Game Pass. Bah moi j'avais découvert avec de toute façon l'annonce à l'E3. À l'E3, il avait sorti dans la foulée. Oui, le Game Pass, tout à fait, c'est une offre mensuelle avec un appel d'offres, une promotion à l'entrée pour pouvoir. Bénéficier de téléchargements, hein, bien entendu. Tout à fait. Illimité sur une librairie, une bibliothèque de jeux très riche, renouvelée régulièrement, qui existait dans un premier temps pour la console Xbox, mais qui a été étendue à l'offre Windows PC. Bien sûr. Tout à fait, mon cher Adrien. Voilà. C'est tout, non, c'est bien. Voilà. Et donc, ici, il s'agissait de faire donc une compétition en trouvant des jeux dans le Game Pass et Xbox et Windows et d'arriver à faire, voilà, une petite compétition avec tout ça. Alors vous avez vu, il y a quelques streamers, alors qu'on voit Kalen et Moment sur votre écran. Ça fait partie, tout à fait Michel, ça fait partie des gens qui sont placés et qui sont en termes de tryhard. Alors, oui, tout à fait. Oui. En effet, nous allons entrer en game. Alors qu'on me dit, lance ton jeu, enculé, bien sûr, on commence à m'insulter. Mais c'est normal, il y aura beaucoup d'insultes, bien sûr, en termes de régie. Mais il n'y a pas de problème, moi je suis totalement prêt. On va commencer à rejoindre des games, bien sûr. Et oui, alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout d'angle mort sur ces écrans. Non. Il est très très simple d'observer la game. On va pouvoir s'avancer, mon cher Xavier, bien sûr. On va prendre un peu de hauteur. Voilà. Évidemment. Mais j'ai vraiment une coupe de footballeurs, c'est incroyable. C'est vrai que j'avais totalement oublié qu'on allait ops la game. Je pensais qu'on allait prendre le POV de quelqu'un. Du coup, je n'ai aucune idée de qui on va rejoindre et comment à quelle heure. Ça fait un peu chaud, hein. Mais voilà, donc je ne sais pas. Mais on va rejoindre cette partie, bien sûr. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse rejoindre la partie, parce que normalement, les games sont full, hein, il me semble, mon cher. Moi, je vais pas. Cher Michel. Parce que oui, tout à fait. Alors j'ai promis de pas m'énerver. Oui. Je ne le ferai pas. Jamais. Pourquoi ça y est, tu es déjà énervé là? Je suis quelqu'un d'extrêmement énervé. Ça vient de commencer. Je suis quelqu'un d'extrêmement énervé en ce moment. Déjà, je suis énervé parce que je voulais faire une entrée en faisant une galipette, une cascade de forains. Et quand j'ai fait le test tout à l'heure, notre cher prod, n'est-ce pas, Michel? Michel E. À frôler la WC, car en effet, en faisant ma galipette avec cette fourrure, je me suis explosé sur le décor et il a commencé à bouger de 2 mètres. Un petit peu comme quand Gotaga va à la PGW. Voilà. Donc, je suis parti sur une entrée un peu plus sobre. Du coup. Ça aurait pu le faire. Hein. Putain, la vache. Alors, les gens disent qu'on est malade, qu'on est mal réveillé, mais vous savez, ça, c'est juste les caméras. Hein. Juste oui, bien sûr, c'est les caméras. On n'a pas de maquilleuse. Hein. Parce que c'est. Microsoft n'a pas donné assez d'argent. Donc, on met le. Il n'y a pas de maquilleuse, hélas. Allez, on va rentrer en game. Non, allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la salle qu'on peut lancer les parties. Vous regardez, j'ai un micro pour parler à cette salle. Je vais leur dire qu'ils peuvent lancer les games. On va se connecter dans les POV de chacun. Mesdames et messieurs les joueurs, vous pouvez lancer les parties. Merci à tous. Voilà, donc ça va commencer. Ça y est, le Game Pass Challenge commence. Sachant qu'il y a 4 jeux en phase de poule et que ils sont 6 par groupe. Et il y a les 4 premiers qui passent et les 2 suivants sont éliminés. Tout à fait. Donc terrible. Cette partie de Worms qui va être assez différente de ce qu'on a connu à la. Tout à fait, mon cher Xavier. La foire, là, si, on espère que les serveurs de Worms seront stables. Car ça va être des parties, comment dire, fort peuplées. Ça risque d'être. En fait, alors voilà. La foire à la saucisse. En fait, vous avez donc 6 équipes par pool, 6 équipes de duo, donc 12 joueurs. Mm-hmm.
12 joueurs qui auront chacun 2 verres dans la partie. Donc ça fait un total de 24 verres dans la game, où ils sont quand même en équipe, hein, bien sûr, tout le monde n'est pas en free-for-all. Donc vous aurez la team avec les pseudonymes joués par les verres, etc. Donc ça va être une boucherie, hein. Ça va être totalement... ça va être la foire. Ça va être quelque chose, et du coup, déjà les accidents, déjà des favoris évidemment pourraient tomber sur dans des pièges. Évidemment. Alors c'est vrai qu'on a préféré mettre Worms au début parce que là c'est vraiment le jeu où tout un groupe peut se liguer contre un verre. Worms, c'est un peu le jeu des alliances. Voilà. Hein, bien sûr. Ben, on a plusieurs FFA. On a Age of Empire aussi en FFA. Alliance interdite officiellement. Bien sûr. Après voilà, on verra ce qui Ça sera surtout passer, terrible, hein, pour la poule F, qui est la poule de la mort avec les Tryharders. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des stratégies discutées en amont? Je pense qu'il y en a eu, il y a eu beaucoup de discussions. Je sais pas, est-ce que Michel, tu as l'affichage des groupements, des poules avec les pseudonymes? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ce genre de création? Parce qu'effectivement, les gens ne savent peut-être pas qui participe. Alors, on a des gens que vous connaissez et d'autres peut-être moins. Voilà, donc tu parlais de la poule F, effectivement, avec Moment, Kalen, Verdos et Nook. Mais c'est vrai que, bon, il y a des gens qu'on a déjà vu sur Zilan, il y a des streamers qu'on a vu beaucoup s'entraîner. Il y a des streamers qui vraiment se sont plus entraînés que d'autres. On a des favoris, hein. On a clairement des favoris. Oui. On a dans le groupe B typiquement Wingobert et Kenny Stream, qu'on va suivre assez attentivement. Kenny évidemment qui se met une pression monstre. Pression monstre, effectivement. Terrorisé de faire encore deuxième. Exact. Groupe G avec Gaspo et Skyheart, groupe où on a vraiment évidemment aussi beaucoup de bons joueurs, même si vous ne les connaissez pas forcément. On a franchement des groupes qui peuvent aller extrêmement loin. Et c'est marrant parce que moi, en faisant un petit peu le tour de la salle, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, non mais nous, on vient pour gagner. » quoi. Il y avait beaucoup moins de gens qui disaient « Ouais, on verra ce qui va se passer et tout. » Donc bon, le groupe F, c'est un peu le groupe de la mort parce que tous les joueurs ont un peu le même niveau. On a priori, ça dosait tous les jeux et ça partageait les vidéos de PB et de pour mettre la pression sur Discord. Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait ça sur Human Fall Flat et tout, parce qu'il y aura aussi du speedrun ce soir, du speedrun solo duo comme on va l'appeler. On se retrouvera avec Xavier sur Human Fall Flat pour parler de ça. Écoutez, les games vont se lancer. Je pense que les games vont se lancer. Quand tu en trouves une, mon cher Michel, tu pourras effectivement nous en montrer une, parce qu'évidemment là les gens doivent jouer, mais nous on peut pas se mettre en spectateur mode car il y a 6 slots maximum par partie, et donc on va prendre le POV de certains joueurs. On pouvait pas prendre le POV de tout le monde parce qu'on n'est pas dans un casino barrière, mais par contre on a certains POV, notamment de certains streamers que vous connaissez, notamment Skyheart que vous avez vu ici. Ils sont en train de leur mettre une pression monstre. Voilà, et vous les verrez lancer les parties, et on verra de toute façon un groupement complet parce qu'on a au moins 3 poules qu'on pourra regarder, et après quand on va rentrer dans les quarts de finale et tout, ça va se fluidifier. De toute façon les phases de poules c'est toujours un peu le bordel, hein. Tout va se jouer en même temps, on va pas pouvoir tout suivre, mais sachez en tout cas que chaque streamer en tout cas stream son point de vue. Donc si vous voulez aller voir quelqu'un en particulier qui stream, n'hésitez pas à aller voir, c'est tout à fait possible. Comment ça faire chaud, mon cher Xavier? Oui, d'ailleurs, évidemment, il y a des gens qui s'interrogent, hein. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la RFO, évidemment, c'est avec un partenariat avec un coiffeur local. C'est vrai que ce sont des restes de cheveux. C'est vrai que la semaine dernière, on était quand même sur Animal, et là, on arrive. Ce sont des restes de poils de cougar, mais on ne parle pas de l'animal. Voilà, exactement. Donc voilà, on peut prouver, hein. On peut prouver en retournant les coutures. Très bien. Voilà. Des caps qui ont été évidemment pas du tout confectionnées la veille de l'événement par quelqu'un dont ce n'était pas le métier. Ah oui, c'est impressionnant. C'est pas du tout le cas. Les moyens techniques. Importants, des shops. Voilà, un décor fameux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Xavier. Moi, je trouve que ce décor est fameux. C'est charmant, hein, c'est fameux. C'est charmant, et on continuera de voir ce décor tout au long. Puisque, alors, je ne sais pas si notre caméraman... Ah, on a des games qui commencent à se lancer, c'est formidable. Vu qu'on va attendre un petit peu, c'est l'occasion pour moi de vous parler. Et je vais enlever ma cape, ça y est, je vais faire le move. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Michel nous dit qu'il peut nous follow. C'est énorme. À n'importe quel moment. Je vais vous parler un petit peu en prenant ça. Incroyable, il va se balader. En fait, je vais vous parler de ça parce que... Ah, c'est énorme. Ah oui, ça c'est beau ça. Et en fait, ce plateau de jeu, ce qui est vachement bien avec ce plateau de jeu, c'est qu'en fait, il représente chaque poule. Donc vous voyez, la poule verte, la poule blanche, poule rouge, poule bleue, poule jaune, etc. La poule magique. Et quand vous avez des joueurs qui seront éliminés du tournoi, ils viendront. Par exemple, imaginons que quelqu'un de la poule verte soit éliminé. Par exemple, Kamak, Exerac au hasard. S'ils sont éliminés, ils arrivent, on couche leur pion et on leur donne en souvenir. Ce sera leur souvenir. Et en fait, au fur et à mesure de l'événement et de la compétition, eh bien, ce plateau va un peu se vider pour aller jusqu'au duel final, jusqu'au quatuor final, en fait, avec ce fameux 2v2. Donc, ils auront des pions. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose d'absolument incroyable. Est-ce que vous avez vu la coupe? Ah oui, ça c'est beau. Parce que la coupe, en réalité, regarde, viens, baisse-toi.
La coupe, elle est là et tu peux t'approcher pour le prouver. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Champion Game Pass Challenge. Il y aura deux épées, évidemment, puisque deux compétiteurs. Et on gravera même leur nom juste en dessous et ensuite on leur enverra. Parce que pour ceux qui repartent effectivement en avion ou quoi, c'est vrai que passer la douane avec ça, c'est un peu plus compliqué. Mais, ou la sécurité. Mais la plupart partent en voiture. Donc voilà, voilà la coupe. Voilà les coupes, en fait, qui seront distribuées aux joueurs. Et ça, la plupart des gens qui sont venus pour gagner ont vu et ont dit « Ah, ça ferait quand même pas mal sur la cheminée. » Donc voilà. Bon, je sais pas ce qu'on va faire de ça. On va les mettre là, hein. Il fait chaud. Désolé, hein. Désolé Michel. Désolé, hein. on va les mettre là. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même, même incroyable. Mais ce n'est pas une arme, c'est un coupe-papier. Non, c'est magnifique. Coupe-papier géant. Tout alors peut-être plus tard dans la soirée, on aura encore quelques anecdotes, Xavier, j'espère. Ah, moult anecdotes, voilà. Bien entendu. Je n'ai rien préparé, mais je sais que le moment venu, j'aurai plein de choses à vous dire. Il est toujours prêt, pour être dans les clous. Alors, la oui caméra, on voit un bout rouge. Ah oui. Alors je sais pas trop ce que ça donne, parce que nous on a un écran, bon il vaut ce qu'il vaut, hein, cet écran bien sûr, mais je ne sais pas trop si les gens verront. Alors est-ce qu'on est dans des games? Là j'ai dit aux gens lancez les games et évidemment les gens ils se trouvent pas en amis, ils s'ajoutent, voilà c'est toujours les bonnes ambiances. Ah, non, hein. Mais c'est normal, les lancements, tout le monde a la tête dans le fion, c'est toujours compliqué. Hein. Bien sûr, en plus là on est le matin, parce que vous là vous êtes chez vous en slip à 11h avec des cacahuètes et des pantoufles, mais le problème c'est que bah, nous on est là certains depuis 8h, 7h, 6h même pour certains de la technique, nous on est arrivé vers 8-9h et voilà on a dit aux gens, bon il y en a qui ont commencé à télécharger des jeux parce qu'il y en a, ils n'avaient même pas certains jeux, etc. Donc voilà. Mais malgré l'heure, vous êtes quand malgré même l'heure et malgré les saucisses. Voilà, malgré l'heure et malgré les saucisses, vous êtes très nombreux puisque apparemment vous êtes déjà plus de 10 000. Donc incroyable à une heure aussi ah oui, tôt. C'est ça. Je comprends ça, plus rien au nouveau dashboard de Twitch. Le dashboard. Hein. Maintenant, on est obligé d'ailleurs, de lancer. D'ailleurs, on profite que ce soit Xbox qui sponsorise cet événement pour dire que le dashboard de Twitch. En ce moment, c'est pas la folie, donc moi, je coûte 2 millions. Voilà, le coup, en plus, il y a des gens de Xbox à qui on avait oublié de demander des trucs par rapport à Mixer hier. Donc c'est vrai que... Donc, voilà, il y a 19 000 carrément. Donc c'est vrai que voilà, on pourra peut-être en parler, hein, effectivement. Il existe d'autres plateformes. Il y a beaucoup de moyens de s'épanouir dans la vie et dans le streaming également. Il existe d'autres moyens de s'exprimer, mais cela ne nous regarde aucun pas. Aucun tabou sur ce plateau. En tout cas, pas pour l'instant, du moins. Très bien, très bien. Puisque, évidemment, pour l'instant, eh bien, France n'est pas l'Amérique, mon cher Xavier. Bien entendu, il faut raison garder et jouer dans sa division. Et jouer franc jeu, voilà. Effectivement. On en est où, là? Je sais pas. 19 000 viewers qui se font déjà chier, alors que on a 3 personnes dans les games. Alors ça va pas être facile. 4, ok, ça avance. Et dans les autres POV, non, les autres POV, j'imagine que ça se passe mal. Voilà, certains. Ah, quand même. Là, c'est la poule donc de Wingobert. Hein. Wingobert 1091. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce que non seulement ils doivent tous rentrer dans la game. Ensuite, faut pas qu'il y ait d'accident quand chacun va placer ses 2 worms. Ah ouais, non, mais c'est ça. Parce que évidemment, on n'est pas dans une game full aléatoire où tout le monde spawn de manière random. Chacun place ses verres un par un. Donc ça va durer des heures. On a quand même 24 verres à placer. Et c'est bien aléatoire. L'ordre du premier qui va placer son worm. Écoute, les admins sont là pour voilà vérifier ces les choses. Admins adminer. Chacun son métier, Xavier. Nous serons là pour commenter et regarder ce qui se passe. Mais effectivement, il a fallu parfois trouver des astuces et parfois même inventer des règles pour faire des compétitions sur des jeux qui ne sont pas forcément prévus pour. Inventer des règles, ça c'est quelque chose qui me parle. Maître Véreux, toujours en disponibilité. Quelle heure est-il? 11h19. Bon, évidemment, ne vous inquiétez pas, on a un bientôt delta lancé chez Wingos. On a un delta de retard assez important, évidemment. Il n'y a pas de problème. Faut prévoir large. Hein, faut prévoir large. Alors qu'on m'annonce que la game de Wingo va bientôt se lancer. Donc, yes. On peut y aller, hein, mon cher Michel. Bah, dès qu'ils seront en game, évidemment. Hein, on va regarder la game de Wingo et Kenny. Et une fois qu'ils se mettront prêts, eh bien, ils peuvent y aller. Alors, je pense pas qu'on naviguera de game en game. Ça va déjà être compliqué à suivre. Sauf s'il y en a une qui se termine et qu'on en a une autre. On va essayer de suivre la game de Wingo et Kenny, puisque c'est la game qui se lance. Après, il y en a qui vont peut-être se lancer en décalé, donc on fera peut-être ce qui se passe. Pourquoi j'ai l'air au bout de ma vie? Mais non, j'ai l'air au bout de ma vie, toi qui me vois dans la vraie vie. J'ai l'air au bout de ma life. Faudra appeler une maquilleuse. Ouais, bah, le problème, c'est toujours les cernes, mais ça, c'est ma vie, quoi. Le problème, c'est que moi, que je dorme ou pas, j'ai des cernes. Et ouais, c'est vrai. Après, bah ouais. Recommander une petite crème. Et ça, c'est l'étalonnage des blancs. Hein. C'est ça. Toujours. Ça, ce problème d'équilibre des blancs. Si on avait des C920, il n'y aurait aucun problème, quoi. Voilà. Je suis tout rouge. Ouais, je suis tout rouge. Bah, il fait chaud, hein.
Fallait streamer intégralement cet event avec des C920. Ah, si on avait des webcams à 2€, ça irait. Alors très bien, donc la game se lance chez Wingo. Alors il faut signaler aussi que on a une limite de temps assez sévère, parce que vu qu'ils sont 20 minutes, ils sont 20 minutes et il y a 24 worms. C'est-à-dire que je pense... Non mais attends, tout ne s'arrête pas au bout de 20 minutes. Non, c'est, on rentre en mort subite. Mais vu déjà la gueule de la map, ouais, ça va être une boucherie. Tout à fait. On va dire que si le 13e worm sur l'ordre joue, on sera déjà pas mal. Tout à fait. Sachant que le placement des verres ne compte pas dans le temps quand même. Bien sûr, bien sûr. Ça commence une fois que tout le monde est placé, donc ça va. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense que voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, vous n'aurez pas le son de la game parce que vous êtes. Voilà, on est ici. Déjà, vous avez l'image. On entend Michel balbutier des excuses voilà, peu recevables hein, dans l'oreillette. Michel qui se plaint beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose. Mais bien vous sûr, allez avoir une petite musique de fond tranquillement. Michel qui est à deux nuits blanches d'affilée, visiblement, et qui est déjà très énervé alors qu'il est à peine 11h20 et que tout le monde se réveille tout doucement. Mais donc, ici, oui, ça risque d'être une boucherie. Je pense que le niveau de sel sera déjà à son paroxysme à la fin de cette game de Worms, car elle peut faire très très mal. Bah c'est ça. Alors le truc c'est que je ne sais même pas si on a les pseudos qui correspondent aux gens. Alors Gabi, je sais que c'est le cas. Ah là là, regardez, magnifique placement ici de la planquouse. Ah oui, ça c'est bien, magnifique. On a évidemment donc un duo hein, évidemment par joueur, c'est-à-dire que là chaque couleur correspond aux deux joueurs à chaque fois. Oui. Ils ont tous quatre verres. Et juste ils sont nommés voilà, avec le pseudo de chaque joueur. Vous aurez le nom des verres. Vous aurez le nom des verres, là vous l'avez pas encore, il me semble. Vous aurez Wingo 1, Wingo 2, Kenny 1, Kenny 2 par exemple. Exactement. Donc on a Wingo et Kenny, on a Gabi et Briac, Zelda et Aesis, Fry et Cessolas, Qual Dragon et Phoenix, je crois, si je vois d'ici, et Pharaon et Overlight. Voici les compétiteurs d'aujourd'hui. Et ils sont en train de placer leurs verres, ça discute stratégie. Hein. Évidemment, tu peux nous afficher la poule, mon cher bien Michel, cher, si tu l'as. Évidemment, si tout est possible, alors on y va, tout est possible. Bien sûr, donc voilà le groupe qui s'affronte actuellement. C'est le groupe B que vous voyez. Alors actuellement, vous avez le classement, ils sont tous en position 1, tous premiers. Wingo Bear et Kenny, Gabi et Marco Tuto. Quoi ? Mais non, il est avec Briac. Bref, Zelda et Aesis, Pharaon et Overlight, Qual Dragon et Phinexo, et Fry et CS Ola ou Cessolas ou Cessolas ou Xolas. CS Olas. CS Peut-être Olas. Un joueur de Counter-Strike. Peut-être un joueur de Counter-Strike, effectivement. Ah voilà, vous voyez, dès qu'on zoome, on a un petit peu les noms. Alors le truc, c'est qu'effectivement, on a du dézoom qui nous servira un petit peu à voir ce qui se passe. Mais déjà, Xavier, on peut, on pourra finir dernier. Ah, alors, voilà. Ce placement en bas est discutable. Alors là, le problème, c'est que ça dépend qui joue en premier, parce qu'il y a ça aussi. Ah mais il y a quelqu'un, ils sont superposés, oui, d'accord. Et oui, en fait, d'abord tu te places, et ensuite il faut espérer que tu joues avant ton mais mate. Cette map, c'est honteux. C'est honteux. Et ouais, mais c'est de l'e-sport. Et non, en fait, ce qui alors, loin de moi l'idée de critiquer. Bien sûr, non mais bien sûr. Mais c'est vrai que 45 secondes, moi je pense qu'il aurait fallu leur mettre une pression maximale. Genre 15 secondes 15 ou 30 secondes. Quoi. Ah ouais, genre bazooka et t'as pas le temps quoi. Parce que là, si tout le monde joue la technique de faire le mort et de laisser 45 secondes passer, c'est-à-dire si t'es premier de tour, si t'es planqué, il y a des strats. Mais c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a un peu cette ambiance ouais, guerre froide, conviviale. Après, il y a toujours ce truc de si t'es un connard, on sait où t'es quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a... C'est vrai que... Finalement, il y a toujours ça, tu vois, dans l'événement offline. Il y a un peu cette ambiance cybercafé en Corée du Sud. Si tu m'as tué dans le MMO, ça va très mal se passer. Quoi. Exactement. Donc finalement, tout s'arrange. Tout s'arrange ouais, avec ça. Alors, des fois, vous voyez effectivement que Wingo Bear change sa musique et tout, parce qu'on est sur le POV des joueurs en direct. C'est-à-dire on n'a pas de spec mode, puisque c'est 6 joueurs max dans Worms. Il a fallu déjà leur dire qu'ils jouent à 2 par PC et tout. C'était un peu difficile. Mais donc effectivement, hein, tout ça, on fait avec les moyens du bord. Mais on bien s'en sûr, sort. On s'en sort. Bien sûr, c'est aussi pour ça que vous avez la barre des tâches du jeu en haut. Voilà, toutes ces choses. Ouais, ça fait le charme d'événement. Mais bien sûr, c'est pour montrer qu'on est sur Windows. Ouais. Ça fait des belles images. Nous sommes évidemment sur Windows. Mon cher Xavier, tu fais bien de le préciser. Windows dans lequel vous pouvez bénéficier du Game Pass avec l'application, évidemment. Alors, c'est vrai qu'on va s'emmerder. Hein. Et ça, c'est bien parce que, en fonction de comment on s'emmerde, etc. Ça, c'est un beau plan. En fonction de comment on s'emmerde, effectivement, les games vont se décaler. Et on va pouvoir savoir si.
si eh bien on aura d'autres games ensuite, une fois que celle-là sera terminée. Le plus important est qu'on évite évidemment des déconnexions intempestives, Inch'Allah. Alors ça, c'est le gros point noir, parce que la plupart de ces jeux n'ont pas forcément de reconnexion. Même je crois tous les jeux, hein, ou presque, n'ont pas de reconnexion. Donc ce sera un peu tant pis pour vous. Mais ça, les joueurs sont prévenus. Allez, ça, c'est le charme de l'événement. Le niveau de sel sera maximum. En fait, l'avantage, ce serait que tout le monde déco en même temps. Là, au moins, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais c'est vrai que si un switch est débranché sur un groupe, alors là, il y aura des vrais problèmes. Mais ça, bon, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est comme ça, donc tant pis. Alors, bon, ce placement, j'ai l'impression qu'on est sur la fin. On est à 4 verts placés pour les jaunes. Donc là, on approche de la fin, parce que tout le monde a 4 verts. Chaque équipe a 4 verts. On a 3 verts placés pour les bleus. J'ai l'impression que c'est le premier tour. Là, les jaunes ont placé leur quatrième. Donc la team de Wingo et de Kenny. Ah, ça va être un scandale, j'ai tellement hâte. Il va falloir voir qui vraiment se fait victimiser dès le début. J'ai tellement hâte de voir des Ricks dans les rangs, en face de nous. Ça va s'énerver, hein. Ça va probablement s'énerver, ça discute. Hein. Vous voyez, on est sur... vous voyez actuellement, vous voyez Farone et Overlight notamment qui discutaient sur vos écrans. Alors qu'ici, on a placé un quatrième vert, quatrième vert rouge et quatrième vert bleu. Et ensuite, je pense qu'on est parti, mon cher Xavier, dans cette première game de Worms. Ça va être un scandale. Beaucoup incroyable. Du coup, petite map, beaucoup d'eau autour, des mines et des barils, plus de densité de pièges. Ça va être explosif, en effet. Et très tôt, peut-être un trou pour de l'eau au milieu, là, au milieu de la carte, effectivement. Ça va être, coton. Les jaunes qui ont choisi de se mettre très dans le milieu de la map. Et c'est parti, mon cher Xavier, car la première caisse vient d'apparaître. Les jaunes, c'est Wingo et Kenny, d'ailleurs. Tout à fait. Une bonne stratégie. Ils ont évité à tout prix les extrémités. Et c'est donc parti. Et c'est la team Wingo qui va commencer. Gros premier tour, en tout cas. Gros premier tour. Sachant qu'on a quand même le droit de changer des verres. Mais s'il change de verre et que ça tombe sur Kenny, c'est Kenny qui joue. Tu vois, là, par exemple, sélection du verre. Donc là, il tombe sur le verre s'appelle je sais pas comment. Mais c'est car il a trop dézoomé. Voilà, car il a trop dézoomé. Mais c'est lui qui joue. Ça va bazooker, ouais. Et direct. Ah ouais, avec la caisse et tout. Prendre le bonus de la caisse. Ah ouais, c'est incroyable. On a entendu Kenny dire paf. Là, ça va faire ça va faire plus de 50, parce qu'on a l'explosion de la caisse en plus. Ouais, 64. Hein. Et ça y est, l'équipe de Farone et Overlight qui a eu le First Blood, qui a perdu un petit peu de points de vie. Dommage. Ah, faudrait dire faudrait dire à Wingo de zoomer un petit peu. Ah mais courage Zelda 600, on le voit Zelda 600. Cela dit, voilà, on voit que c'est lui et surtout on voit que c'est l'équipe bleue qui joue, donc finalement... Et le nom du Worm est affiché en haut quand il prise du tour. Quand il prend le tour... Donc là aussi on va essayer de... Alors non, attendez, il va prendre possession de celui qui est... Peut-être qu'il va faire un pont. Quasiment injouable. Ah oui. Peut-être un pont. Alors que... Ah non, c'est chalumeau mais bien direct. Sûr, le chalumeautage. Le problème c'est que les jetpacks vont être disponibles à un moment, mais oui, personne va aller le chercher de peur de représailles. Ça va déjà. Ça c'est une stratégie que tu affectionnes particulièrement, Xavier. Bah voilà, hein, vu le caractère très agressif et sans pitié de cette game et de ses settings, je pense que en effet, jouer la technique. Ah non, mais là c'est sûr. C'est sûr que là effectivement, avoir déjà du chalumeau tour 1, ça nous donne un petit peu. Ça nous donne la couleur. Alors on joue en mode classique, hein, parce qu'on n'a pas le craft des armes. Voilà, on avait mis en place le craft des armes. C'est très intéressant, plus tactique, mais bon là, autant de joueurs, vaut mieux que ça reste classique. Ouais, tout à fait. Belle grenade, 46-26, et les bleus qui perdent des HP. Et surtout, en fait, ce qui est pas mal, c'est que quand tu commences à faire un trou et avec deux worms qui ont pris cher, bon bah ça devient naturellement les cibles pour les autres, on va dire. Tout à fait. C'est intéressant de faire double. Alors que Wingo va monter le son, mais on s'en fout. Là, Wingo, il va tout défoncer. Il va quitter la game. Dites-lui qu'il est en direct. Ah, voilà le zoom. Dites-lui qu'il est en direct. Alors que c'est le vert Kenny 1 qui va prendre la sauce. Ça va brûler aussi. Allumer le feu. Oh oui. Oh, okay, c'est une mine. C'est une mine. Ouais. Barine, okay. Ça va prendre 59 et 70. 70 sur Kenny 1. Ouais, mais forcément, ils sont naturellement, par défaut, une cible. De choix. Et oui, car ils sont dans les favoris du tournoi. On sait qu'ils Gobert sont cachés pour tryhard à l'infini. Et oui. Ah, mais il va faire des conneries là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il avait coupé le son, c'est ça? Ah. Et oui, parce que lui il préfère jouer avec de la musique, j'imagine. Ah, c'est ça. Mais Écoute du Vald. Salut Vald, si tu regardes. Qui regarde cette VOD. Hein. Bien sûr. Il est dans le chat. Il est dans le chat, évidemment. On a le son du jeu, visiblement, car Wingo a décidé de l'allumer. On a vraiment de la chance.
On a vraiment de la chance. Donc, ce qui compte évidemment, c'est le placement hein, pour le classement. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la façon dont on allait faire le classement général de cette game, mais c'est dans l'ordre duquel vous êtes éliminé. C'est-à-dire première équipe éliminée et sixième, deuxième équipe éliminée et cinquième, etc. Il n'y aura pas de bonus pour ceux qui ont fait des dégâts. Oh là là, c'est un échec. Oh non. Oh là là. C'est terrible ce qu'on est en train de dire. Attends, mais c'était son pote en plus? Tout à fait, c'était deux verres violets, mon cher Xavier. Oh là là, et déjà une amitié brisée. Ils ont perdu la moitié de leur bar. C'est terrible, c'est Gabi et Briac qui se sont... Je pense qu'ils se détestent, ah, je le vois là, il est en train d'expliquer. Il était en train de faire ce signe-là. Donc ce signe-là, ça veut dire beaucoup de choses, vous savez. Mais... Je crois qu'il était en train de dire, voilà, maintenant il est gros comme ça, mais je sais pas de quoi il parlait. Ah ouais, non, là, il y a eu mésentente. Terrible. Ah non, là, vraiment, c'est un énorme problème, là. Énorme problème. Donc comme je vous le disais, quelques absents qui sont là, mais je crois qu'on a vraiment qu'un duo qui n'est pas là, parce qu'on a aussi Alex Lee qui n'a pas pu venir, qu'on a remplacé par quelqu'un. Oui. Mais ouais, malheureusement, qui n'a pas pu venir, qu'on le salue. 10 000 problèmes en même temps enchaînés, terrible. Et l'équipe violette, mon cher Xavier, hein, tu vois dans la... Ah mais oui, l'équipe de Gabi, c'est terrible. Ah ouais, l'équipe de Gabi, c'est déjà difficile. Je crois qu'il reste que Marco Tuto 2, finalement. Ah non, bah non, il reste aussi le vert tout à gauche. Ouais. Mais il y reste que ces deux-là, c'est-à-dire on a 118 points de vie. Et du coup, là voilà, c'est peut-être le... Parce qu'en vrai, normalement, Worms, quand on joue avec des amis, on se dit, bon, vas-y, il te reste qu'un verre, je vais pas être un salaud, je vais pas te tuer. Mais là, alors que là. Dans des paramètres compétitifs, il faut victimiser la victime en théorie. Tentative de jetpack, mon cher Xavier. Ah, on s'est largué les trucs. Alors attention quand même, parce qu'il se remet en bas. Alors, loin de moi l'idée de critiquer, mais. Ça aurait pu être fait à la Ninja Robe quand même. Ah ouais, mais tu sais, la Ninja Robe, ça met la pression. Ouais, mais là, avec 45 secondes, ça peut gâcher le jetpack. 110. 110 directement avec l'équipe verte. Il va se prendre quelques éclats. Toujours pas le son du jeu, je sais pas pourquoi. Non, mais le son du jeu, il est chez vous. Moi, j'ai pas le son du jeu. Faites le son du jeu chez vous. Montez le son du jeu chez vous, si vous voulez le son du jeu. Équipe bleue. Lancez une game en même temps. Lancez une game en même temps, pas de problème. Ok, mais oui, vous avez le son. Ah, mais eux, ils l'ont. Parce que nous, on l'a pas dans l'oreillette. Mais oui. Mais oui, non, mais et on nous l'envoie, incroyable, bravo Michel. Oh là là, attention, on est bloqué. Oh, le pixel, bloqué par le pixel. On est bloqué, alors qu'on a des applaudissements hein, sur une autre phase de poule, donc peut-être des gens qui... Oh là, attention de ne pas prendre des dégâts de chute. Non, c'est bon. Ouf. Beau jetpack. Ouais, beau jetpack. Va-t-il aller essayer le blocage au début. On va focus directement Kenny. Ah non, il va essayer d'avoir les deux. Double kill avec dynamite, ouais. Double kill, bien sûr, 30, et il faudra 40, sauter vers la droite. Oh là. Ouais, non, c'est bon, le backflip. Ouais, un autre saut peut-être. Aïe, aïe. Ah là là, ça front flip, quelle erreur. Ah, il va se prendre les éclaboussures. Et il tue les deux quand même. Donc double kill effectif. Bien joué. Bon, et la team violette qui a survécu pour l'instant. Tu peux nous mettre en full screen, mon cher Michel. Je pense que en vrai, de toute façon pour la caméra, les gens, il y a pas de problème. Elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Overlight, team verte, qui. Alors finalement, c'est la team ouais turquoise qui pour l'instant a perdu le moins d'HP. Planqué. Ils sont bien. Hein. Finexo et Qual Dragon qui sont en haut. Ils sont bien, oui, dans les deux au milieu, c'est un peu la loose, mais. Merci, mon cher Michel. Mais Qual Dragon, ouais. Je ne me rappelle plus qui s'était planqué. Qui a chalumoté C'était quelle équipe qui avait chalumoté, Xavier Je ne sais plus, je crois que c'est les verts. 48, alors ça, normalement, ça tue, puisque 50. Il faut que ça soit bien centré sur le worm quand même pour tuer. Je pense que ça tue. Moi, je dis 49. Moi, je dis non. Juste, pense à tuer pas 42, ouais. Punaise. Ça a bouffé un bout de terre et donc ce n'est pas le full dégât. Quel expert. Bien sûr. On sent que l'expert de Worms est venu pour commenter directement. Wingo, oui, c'est vrai qu'il y a un des Worms de Wingo qui est full planqué. Ouais, mais... qui est planqué à droite. Ah, ça va assez vite au final et on n'a même pas atteint les 5 minutes de game. Il y a déjà eu de lourds dégâts. Il y a déjà eu beaucoup de dégâts. Mais le problème de Worms, c'est que c'est à la fin. Moins il y a de Worms, plus ça dure. Bien sûr. C'est à la fin que tout va se jouer. Mais ce qui est bien, c'est que. Voilà. Marco Tuto va y passer. Shotgun peut-être? Non, grenade? Oui, bon, grenade. Oui, c'est vrai que shotgun, il aurait eu un coup sur l'autre. Oula, ok, ouais, c'est bon. Oh, elle est un peu éloignée. Je pense que... Si ça fait un 15 ou un truc comme ça, ouais. 16, alors aïe, 2 aïe, HP. Alors qu'avec un shotgun c'est 25 x 2. Ouais, il aurait pu avoir même Zelda de l'autre côté. Et en plus, il y a Riven juste derrière, alors ça, c'est incroyable. Alors, par contre, attention, parce que tout à l'heure, il y a eu des accidents, hein, pas Team Violette. Ah, il y a un petit Dragon Punch de jouable. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ça y est, d'accord. Et ça chalumote. Ah, mais ça chalumote, mais on peut aller le chercher assez facilement. Alors, attention à pas trop. Alors, le problème, c'est quoi là, dès que la mort subite arrive, il faut direct monter, quoi. C'est aussi ça. Et pas sûr qu'il le rejoue d'ici là. Oui, c'est vrai. C'est aussi ça le problème. Cela dit, ils ont peu de verres, les violets. Ils en ont que deux. Oui, ça va tourner vite. Et quand on a que deux, ça va. Ok. Allez, Fry qui s'est pris une bonne grenade tout à l'heure. Okay. Alors, il y a des TP, hein, j'imagine. Oui, on a les téléports. On joue en classique, pas de restrictions. Quoique là. Donc, les TP vont se débloquer bientôt. Je pense pas tout de suite. Faut 3 tours, non La TP, c'est assez immédiat, je pense. Oh là là.
le jetpack. Ok. Quasiment le tiers défoncé pour rien. Alors, petite dynamite et on s'en va. Alors ça tuera pas parce qu'il y a l'antenne. Il faut surtout savoir où se replier. Est-ce qu'il va retourner dans son trou, on dirait? Non. Ah si, ouais, 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 il y va. Ah si, ça tue quand même en poussant parce que ça détruit et l'antenne. Paf. Et Pharaon sur la mine. Oh, c'est bien joué. Alors est-ce qu'il y a... Ah non, il y a personne de planqué dans l'immeuble. Parce qu'on le rappelle, quand vous êtes planqué dans l'immeuble, non, les gens ne voient pas votre nom. Le truc c'est qu'en fait on peut pas se placer planqué dans l'immeuble. Je crois que tu peux y aller, mais je crois pas que tu puisses te placer planqué. Sauf si t'as une... Sauf si tu peux chuter. Voilà, si tu peux chuter, il y a une entrée par le haut. Par mais le là, effectivement, comme tu dis, je crois qu'il y a personne. Mais ce verre, c'est incroyable. Je pense ce verre là, c'était... C'était malin, c'était malin de la part de Wingo. Ah mais c'est très sale, mais faut... c'était important d'en sécuriser au moins. Il va prendre le tour de quelqu'un d'autre du coup. Il va chercher son autre verre, Wingo. Oh, une petite dynamite qui chuterait dans ce trou. Avec possibilité de lancer Overlight 2 sur la mine. Ah ouais, j'avoue que là ce serait pas mal. Alors que des... Oula, oula, attention, c'est risqué ça hein. Faut pas bouffer le pixel hein. Oula, ok, il l'a pas eu. Nice. Alors qu'on voit effectivement Kalen et Xerac, Kamak et Xerac, pardon, qui joue à la manette à Worms, déjà ça me dégoûte, mais qui... Il a l'air très content. Qui, ouais, il a l'air très content. Je pense qu'il y a des games de Worms, effectivement. Bah, les games de Worms, forcément, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Mais actuellement, vous regardez la game donc de la poule F, si je ne m'abuse, avec la game donc de Wingo et de Kenny. Mais notamment aussi de tous les autres dans ce groupe. Ça permettra aussi de voir qui peut tirer son épingle du jeu de cette game. Groupe B, my bad. Groupe B, okay. B comme my bad, désolé. C'est vrai que pour le coup... Moi, je dis la poule blanche, parce que c'est la poule blanche. Ah putain, mais vous avez fait les couleurs en fonction des lettres? Non, ils ont pas fait ça. Bah non, c'est pas possible. Ah, ce serait du génie. Non, mais non, en vrai, non. Parce que orange, y a pas de poule O. Dommage. Dommage. En tout cas, ça fonctionne pour la poule B. Mon cher Xavier, poule blanche. Team bleu. Bah, toujours la team turquoise. Hein. Pour l'instant, en vrai, le classement a pas trop bougé. Faudra voir si... Mais du coup, loin de moi... Bon, l'idée de critiquer, mais... Ouais. Beaucoup trop d'humanité et d'amour envers son prochain dans cette poule. Il aurait fallu, évidemment, victimiser et martyriser la Kenny team Violette pendant qu'elle était à terre. Ah. Bah, après, tout le monde n'en a pas l'opportunité, forcément. Attention, il y a un petit pixel, là, devant son viseur. Ouais, c'est bon, il est pas tombé dessus. Ça ne tuera pas, évidemment. Grenade, c'est quoi? C'est 45 maximum, la grenade? Je sais plus. Grenade, oui, 45. 45, ça peut aller 50. Non, pas dans celui-là, quand même. Je crois pas que ce soit 50. 45, ou 35? Non, c'est pas 35. Non, non, c'est dans les 40, tu vois. Ouais, ok. Alors, Finexo, ça c'est la team qui est première. Alors, lui il peut aller dans l'immeuble. Alors, et on ça y va. On a zéro drop, hein, on est d'accord. On ça, a va, vu. Ça va totalement dans l'immeuble. On a zéro drop, on est en classique, donc je crois qu'on a des drops quoi qu'il arrive. Okay. Parce qu'il y avait une trousse à outils au début, mais j'ai pas fait gaffe s'il y avait eu des drops. Alors que ça s'excite encore du côté de chez Kamak et consort. Ça s'excite avec Pakam et Sibou, hein, que vous aviez déjà vu à Zilan, qui sont relâts et qui sont en game de Worms, hein, donc pas de problème. Ils m'ont l'air beaucoup trop sympathiques entre eux. Hein. Ouais, Kamak non, et tout. Là-bas, là-bas, c'est trop bon enfant. Ouais, hein. Non, nous on n'est pas là. Pour ils, sont ça. Là pour, ils sont là pour sortir en poule et aller boire des coups, ça se sent. Ouais, hein. Voilà. Ça, c'est les streamers, ça. Ouais, ça, c'est les streamers. Alors, on va essayer de se placer derrière. Ouais, bah surtout que ça, c'est le survivant à 100 points de vie de la team qui est derrière, la team violette. Oh là, mais attention, parce que là, il va se mettre devant mais lui. Mais surtout, il va pas jouer derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan cul? Oh là là, alors ça. Ça pourrait être un suicide... Décalage into poussette. Ouais, franchement, ça pourrait vraiment être un... Alors ça, c'est pas dingue. Je pense que ce sont des trublions, hein, la team violette. Et ouais. Du coup, il prend coup, possession, voilà, dessus. Et ouais, oh là là, c'est... Mais attends, parce que là, il faut connaître un peu le jeu. Oui. Parce que là, batte de baseball, d'accord. Bat, il faut orienter comme mais il attention. Se doit. Et il peut accrocher un pixel. Voilà, il faut pas que ce soit trop, il faut que ce soit horizontal. Ah, oh, il va faire des beaux rebonds. Ah, oh, il a même pas rebondi. Voilà, bah ouais, ouais, ouais. Et donc la team violette ça perd un en verre. Fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde a été gentil et n'a pas voulu les éliminer. Mais ils se suicident. Ils sont tellement talentueux qu'ils ont créé cette situation tout seuls. Se suicide. Gabi ! Aïe, aïe, aïe. Ah, terrible. Quoi, cette merde ? Ah mais désolé. Terrible. Et donc il n'a plus qu'un verre à 2 HP et donc une barre de vie invisible quasiment. Terrible. Ouais, donc ils ne sont pas encore éliminés. Hein. Attention parce que là pour l'instant. Ah non mais là il faut y aller. On les voit à 2 HP. Ah, quoi qu'il est bien. Ouais. Enfin il est bien planqué. Non. Quoi le Dragon 2 ou est-ce qu'il y va? Non, je crois qu'il allait aller chercher Marco. Ah, une batte de baseball. Ah, ça, ah c'est oui, pas parce on a l'info parce que c'est leur team. Oui. Et la petite mine, ça c'est bien. C'est, de toute façon ils ont déjà utilisé leur dynamite me semble-t-il. Ça joue agressif en tout cas côté Kenny Wingo. Oh oui, magnifique ça. Oh oui, comme ça fait des dégâts. Des dégâts gratos. Des dégâts sur Overlight. Et tout le monde laisse cette team Finexo tranquille mais qui est bien placée. Si bien placée qu'on n'a pas envie d'aller les pourrir. Pas mal du tout. Ils sont espacés les uns des autres. Alors moi j'aimerais bien que la team Violette soit première quoi. Ça y est, moi j'ai envie là.
Ah oui, le retournement de situation, bien entendu. Avec la mort subite. Le 1 HP ATFT. Téléportation. En plus, surtout que là, il va jouer constamment le même vert. From zero to hero. Donc il y a des trucs à faire. Ouais, mais là, il a 3 HP, je veux dire. Une fin de airstrike qui s'échoue. Ouais, c'est une petite flamme comme ça qui tombe directement. Quoi qu'il est, ouais, non, il est pas touchable par l'air. Ah ouais, j'avoue. Finalement, j'étais médisant parce qu'il reste 11 minutes 45 et la mort subite finalement arrivera quand ce sera déjà bien la merde. Mais ouais, des worms comme ces Solas 2 là, etc., ils vont devoir monter. Hein. Surtout que beaucoup ont utilisé leur switch de worm. Après, est-ce qu'on arrivera à la mort subite? Tu vois, on n'est même pas à la moitié de la game. On arrivera à la mort subite, je pense. Je pense qu'on y arrivera, quoi. Mais on n'est même pas à la moitié de la game. Mais c'est vrai que, comme tu disais, moins il y a de worms. Les affrontements effectivement, ouest-ouest. Ouais, effectivement, comme tu disais, moins il y a de worms, plus ça peut durer, plus ça peut traîner dans la longueur. Quoique dans 10 minutes, il restera pas grand chose du terrain. Ouais, ça aussi. Après, les gens vont commencer à peut-être s'enterrer et tout. Les gens vont commencer à prendre des vraies décisions. Alors que vous voyez Zelda et Aziz sur votre écran. Zelda et Aziz de cette game, hein, bien sûr. Ou encore à la manette, péter les plombs. C'est mais terrible. Pas de problème. Pas de problème. Quoi que tu diras, moi j'ai commencé Worms à un niveau presque e-sportif sur une console concurrente il y a très longtemps. Tout à fait. On jouait à la manette. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de TFT qui n'est pas sur le Game Pass. Hein. Tout à fait. Précise. Précise. Ah non, ça c'est raté. Alors que c'est l'accident. Ah, c'est raté, mais des applaudissements chaleureux dans la salle pour cette action, ça fait toujours plaisir. Ah voilà, la team Finexo. Bon, eux ils sont bien, eux ils sont très c'est bien. C'est le seul qui a pris des dégâts d'ailleurs, celui-là. Évidemment. Alors on a prévu un... Ah mais c'est quoi ça? C'est déposé, une grenade. Une grenade frag, ouais, c'est ça. Oh, les rebonds étaient pas dégueulasses. Mais la grenade frag, c'est tout ou rien. La cluster bomb, ouais, la bombe à fragmentation, elle a pas mal été nerfée par rapport à ce qu'elle était par le passé. Ah, parce oui. Qu'avant, vraiment, quand elle était concentrée, elle pouvait faire 120 dégâts, etc. Ouais, on avait vraiment quand les rebonds reviennent. Et maintenant, c'est quand même plus calme. Mais bon, jamais à l'abri d'un drop de banana bombe. Effectivement. D'ailleurs, la banana bombe qui, normalement, sera extrêmement rare. Enfin, ah non, je sais pas si elle y est en classique. Je sais pas si elle finira par arriver dans les armes. Faudra voir. Oh non, ça serait scandaleux. Normalement, en classique, c'est pas le cas. Elle est pas dans. Je crois pas qu'elle y dans soit. Dans le loadout, ça serait terrible. Ouais, je crois pas qu'elle y soit. Si vous venez d'arriver, vous regardez, mesdames et messieurs, le Game Pass Challenge, une compétition multijeux sur le Game Pass Xbox et PC de Microsoft. Avec, ce premier jeu, Worms, qu'on est en train de regarder ici. Tous ces joueurs sont en compétition pour gagner et bien jusqu'à 30 000 euros. Alors que les ponts. Évidemment. Les ponts commencent. Ça commence à jouer l'anti-jeu, ça me parle. Mais on est milieu de tableau. Et finalement, la hauteur, c'est ce qui fera gagner dans la mort subite. Xavier, tu le sais très bien. Oh là là. Tranquille, Michel, tout va bien. Ça, c'est pour notre worm. Il faudrait qu'il tente une sortie incroyable au jetpack pour aller chercher de la vie. Ah ouais, le violet. Ah non, mais là, c'est Marco foutu. Tuto. Ah non, Marco Tuto, à mon avis, il faut plus qu'il bouge. Risquer tout pour aller chercher 20 HP et s'écraser à cause d'une panne d'essence, ça serait énorme. Et mourir ou dans l'eau, vraiment, c'est mourir dans l'eau avant qu'il sorte. Oh là là. Non. Franchement, je pense pas qu'il faut aller jusque-là, mon cher Xavier. Il faut pas déconner. Ah, ça serait. Raid aérien, ça y est, c'est débloqué. Et donc là, la team turquoise va perdre un peu d'HP. Et surtout, ça va continuer à creuser dans le milieu qui devient un peu la cuve de l'angoisse. Exact. Salutations à Juice, à Gius. Salutations à Gius dans le chat. Levé très tôt, évidemment. Allez, pas vrai, pastèque. On a choisi l'angle de gauche à droite, bien sûr. Bah. Et c'est la chute. Ok, pas mal. 30 000. Ouais. Bon, ouais, ça aurait pu être. Ah, mais là, il y a un spot à Dynamite. Plutôt ouais. Sympathique. Ou à Banana Bomb. Ce sera un spot incroyable pour une bombe banane. Qui est peut-être dans cette caisse. Et peut-être totalement dans cette caisse. Car évidemment, dans les caisses, il peut retrouver des armes incroyables. Je sais même pas si en mode classique, on a l'âne de ciment. L'âne de ciment, je ne sais pas. Mais ouais, normalement, on a pas mal de choses. L'âne de ciment, une arme incroyable. Ceux qui ne savent pas. Ah, la sainte grenade est débloquée aussi avec le raid aérien. Ah oui, là, ça va commencer. Bah, là, une sainte grenade tue clairement si elle est bien placée. Il va faire jetpack sainte grenade. Oh, y a même pas besoin. J'aurais pas de jetpack moi. Bah oui, il assure. Après, le coup. Alors, franchement, dans un accident, si elle tombe sur toi là. Oh non, mais là, c'est quand même. Est-ce qu'on peut mettre la sainte grenade? Oui, on peut la mettre avec le jetpack. Oui, on peut la poser, c'est juste que. Et paf! Et il va chercher la caisse de soins. C'est bien joué. En vrai, c'est bien joué. Hein. Ah, c'est un très beau tour. C'est un très très bon round. Et il élimine les deux, c'est bien joué. Oh, il y a eu des applaudissements. Le double kill. Il y a eu des applaudissements. Team Turquoise qui était première, qui repasse troisième. Au profit de la team Wingo, mon cher Xavier. Ah là là. Un jeu sur lequel ils auraient pu pourtant être bousculés. Non mais en fait c'est ce placement de Wingo 1 en bas qui abat psychologiquement les ennemis, qui se disent que ça n'a aucun intérêt. Ils n'ont aucune chance.
Mais on a Wingo 2 qui est en haut et Kenny 2 qui eux sont quand même dans la merde. Surtout Kenny 2 en vrai. Ah, Wingo 2 il est pas éjectable, donc en fait il peut pas mourir en un tour, donc ça va en vrai. Et Kenny 2 par contre lui s'il t'ouvre vers l'eau, oui, bon, forcément. Si tu mets la sainte grenade là où il y a les tombes, je pense que ça le tue, tu vois. Ah. Alors là ils sont deux là en fait. Ah. Ils sont deux dans le trou, non? Ah non, c'est une tombe. Non, non. C'est une tombe. Voilà. Ah d'accord, juste. Mais creuse. Du coup il reste près de sa mine. Je trouve ça sport moi. Je trouve ça sport. Ok. Encore des applaudissements. Il y a du mouvement là-bas. Ouais, encore des applaudissements. Hein, sur un autre pool. Un game de Kamak que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Hein. Totalement disponible. Alors, est-ce qu'on va essayer de... Oh là là, il va pas essayer de le terminer. Hein. Ah là, il faut changer l'angle. Mais quand on a peu joué à Worms, on ne sait pas. Eh, mais il faut changer l'angle vers la droite. Il laisse Marco Tuto en vie. Je pense qu'il va le regretter. Tu penses qu'il pourrait y aller? Il va se prendre à moins 100, il va se prendre à moins 100 dans quelques tours. Quand il va faire une sainte grenade au cac. Au tour. Ouais, non, mais là, il est éjectable, je crois. Ouais, mais je pense surtout qu'ils veulent commencer à essayer de tâter. Une batte de baseball. Quoique, on a vu les plays de l'équipe violette. Ça risque d'être compliqué. L'équipe mais il y a violette, bien un moment, il va falloir remonter. Non, mais il va continuer son tunnel de ses morts. Oh non. Ah oui, le pont vert, le pont horizontal. Du coup, ça passe normalement. Hein. Le pont horizontal passe. Il faut avoir un peu joué au jeu, il faut savoir. Construire. Bon, ok. Bon, mais voilà. On sait qu'il aura un tour avant la mort subite. On est large. Là, il reste 7 minutes 50. Oui, enfin, oui, là, oui. Mais après, il faut voir en termes de timing. Il faut. Ouais, parce qu'il y a quand même 5 tours avant lui. Ouais, mais les gens jouent assez vite. Ce qui est plutôt cool. Ouais, ouais. Parce que les gens, tout le monde jouait en mode. La corde, 45 secondes, si tout le monde cordait. Ah ouais, ça serait horrible, clairement. Airstrike, bon, c'est un peu gâché, mais ça y va. Voilà. C'est vrai que Airstrike, il vaut mieux les garder pour la fin, voilà. Globalement. Le Airstrike qui tue pas et qui enlève juste 30-40, bon, je suis pas trop pour, mais. Ouais, évidemment. Ah non, 55 quand même. C'est pris domicile, clairement. 55, bon. Wingo 2. Wingo 2. Bah, de toute façon, ils ont ça et ouais, le verre de Kenny. Peut-être qu'il en essaye bas. De lancer inconsciemment une alliance, une coalition avec cet Airstrike. Ah, tu penses? En disant regardez. Regardez. Je suis disponible. Si on s'y met à plusieurs. Regardez, je suis dispo. J'aime ce langage indirect. Alors que vous voyez, Kyria et Mizu. Ah oui. Elle aussi en pleine game de Worms dans un autre groupe. Effectivement. Alors on a du parachute. Ah, on a la bombe banane, ça y a les moutons. Ils ont dû dropper. Il y a un mouton, il y a un super mouton, j'ai vu là. On a la bombe banane qui s'est débloquée. Ah non, ils ont la mamie. Mon cher Xavier. Quoi, mais il y a la banane dans le loadout. Elle est débloquée pour tout le monde, car on est en mode classique. Et paf, la pastèque. Mais on choisit de pas la jouer encore. Ah oui, bah là, 35 points de vie, c'est un cadeau. Paf, parce que autant la grenade, paf, ça pourrait louper, mais là, ça va pas louper. Hein. Non, là, la sainte grenade qui fait très très mal. Et paf. En AOE. 72, ça a même touché Wingo 1. Dingue. Dingue. Ah non, mais ça a tellement d'aura, d'AOE. Moi, Wingo 1, je suis pas si sûr que ça, parce que dès que l'eau va commencer à monter... Bon, cela dit 6 minutes, ouais, 10 minutes, ok. C'est vrai que là, la sainte grenade un peu gâchée, hein, 30 HP, alors que le shotgun aurait suffi. Ouais, non, mais fallait être sûr de toucher, parce que si le premier touchait pas, ensuite, c'était la lose. Puis il est en haut, donc il y a toujours cette histoire de pixels, alors que les ponts encore, ah ça, c'est vraiment le best. Ça, c'est incroyable. Ok, la sainte grenade, c'était pas mal. Lui il est plutôt pas mal, tu vois. Moi je trouve que lui il est plutôt bien placé. Mais comme d'habitude, hein, c'est ceux qui ont été les filous qui seront là à la fin. Et Gabi toujours en vie, hein. Enfin Marco Tuto, pardon. Ceux qui ont manqué l'argent aux îles Caïmans, c'est eux qui survivent à la fin. Ils auront la survie quand il y aura l'apocalypse. 6 minutes 33, mon cher Xavier. On approche du dernier quart en termes de temps. Alors que grenade, ah, ça pour y est. Qui pour enfin, Aziz, enfin pour du skill, enfin du lancer de grenade et de bazooka. Ah, pourquoi le dragon? Ah, ça faut pas rater parce que clairement faut se caler dans le. Ah oui, et puis faut timer ça à la perfection. Je sais pas combien de timer il a mis. C'est pas mal du tout si c'est 5 secondes. Oh, c'est dommage, franchement, une seconde de plus et encore, ouais, non, elle avait peut-être le rebond droite. Oh, le PEV. Le PEV. Le HP. Pour la prochaine peut-être. Pour la prochaine peut-être. On a Finexo qui est full planqué. Est-ce qu'il a un airstrike ou une TP à jouer? Ah non, ça va blow torch. Le 1. Mais il va pas chercher l'objet à droite là. Téléportation. Mais va chercher l'objet à droite, c'est un scandale. Ah oui, non, il a décidé que ça suffisait. Il veut safe ce verre, je pense. Quoi le dragon? Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait avec son. Qu'est-ce qu'il en fait? Quoi le dragon? On a pas vu de ninja rope. Pas encore de ninja rope en effet, pas de cordage. 22 secondes, hein, ça va vite quand on est indécis. Quand on doit prendre la décision en direct, ça va très vite. Allez, faut se déplacer. Là, il y arrivera pas au bout. Ça va être un scandale. Il va grenade, mais sur qui? Ah ouais. Ouh, alors attends, mais le sur joli qui tir en cloche. Parce que là... Ouais, mais c'est pas mal. Ah ouais, non. Mal. Elle va tuer? Je pense qu'elle tue. Pas sûr. 75? 80 en n'étant pas full centré. Quoi que ce soit. 75, mal, hein. Elle ferait. Ouais, 64, hein, elle tue pas.
Mais il y a une belle cuve pour aller chercher assez facilement Overlight. Ah, alors que. Avec un tir à mi-distance. Un tir à mi-distance. Un tir en tête de raquette, assez facile. Alors que l'équipe violette. Téléportation! Non, ah non, raid aérien. Alors, raid aérien, si, si ça touche en pleine poire, ça tue. Il a changé l'orientation, mon cher Xavier. Oui, donc, on a un joueur qui sait. Avec tab. Paf! Paf. Tab ou la touche manette, je ne connais pas. Et nous avons un vert de l'équipe Wingo éliminé. Pour l'instant, aucune équipe éliminée dans cette game. Hein. Il est bon de le rappeler. Ouais. Pour l'instant, tout le monde peut encore faire top 6 sur un accident. Alors là, il y a beaucoup de vert encore chez les rouges. Celui-là, il faut vraiment qu'il remonte, sinon lui, il est condamné. Ouais, lui, il peut chalumer vers le haut. Ouais, c'est ça. Chalumer vers le haut, je pense que c'est pas mal. Et ouais. Et encore, hein. Non, si, ça va le faire, je pense. Ça dépend combien de worms ils auront d'ici là. Parce que là. Ah, quoi que non, ils sont deux. Ouais, ça va. Tout le monde n'a plus que deux verts, je crois. De toute façon, tout le monde est mid-life. Je crois qu'il n'y a plus aucune équipe qui a 4 verts. L'eau commence à monter dans 5 minutes. Vous le voyez, le compteur en bas à gauche de votre écran. Il aura le temps. Et après, terrible. Alors ça, jetpack. Donc ça, c'est Kenny, hein, je crois. Qui met des petits coups de jetpack, c'est bien joué. Kenny qui va prendre il va dans l'immeuble. L'immeuble, bien sûr. Alors, enfin, attention, il y a peut-être des mines dedans ou quoi. Non, pas de mines. On a les visions sur l'immeuble et c'est ça qui est drôle. Ah, il va pas rester planqué à jamais. Bon, c'est sale ça. Ah, il peut toucher les deux. Oh, c'est risqué. Non, mais c'est hyper risqué. Mais ouais, mais il se dit qu'il a que 50 points de vie. Mais il va être éjecté vers la droite. Il se dit que c'est worse. J'aime cette. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, oui, magnifique. Oh, 303. Incroyable. 303 de dégâts. Incroyable. Incroyable. Move. Et il ne meurt pas. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Ouais, non, mais il savait bien que ça allait rentrer dans la cuve au fur et à mesure. En vrai, Kenny. Il y avait un petit risque qu'il se prenne une banane, mais c'était worse. Kenny, le joueur français, qui vous rappelle, favori pour faire top 1. Enfin, le podium. Mais voilà, Kenny. Et oui, Kenny, il zoom. Arrête. Kenny. Il zoom sur son verre, bien sûr, il flex. Il flex un maximum. Encore du jetpack, c'est incroyable, ils en ont repris ou pas? On sait qu'avec Wingo, les bananes valent cher en général, donc effectivement. Wingo a même une émote banane, je crois, hein, sur son chat. Ah, quoi le dragon 2, qui visiblement est mal aimé hein, de toute la poule. Wingo banane. Et mine de rien, un Marco tuto toujours présent. Ah ouais, ouais, avec discret, ses deux pefs. Discret mais efficace. Par contre, il va être obligé de remonter, et le problème c'est qu'en remontant... Oh mais ça va pas être suffisant. Non mais ça c'est zéro ça. 44. C'est honteux. Ça c'est honteux. C'est honteux. Ça c'est un peu honteux. Alors que petit shotgun, encore une fois. Mais Marco Tuto il va devoir remonter et du coup avec 2 PV le problème c'est qu'il est un peu victime de tout quoi, et même oui. À distance. Petite sainte grenade, petite banane. Qui le touche, qui l'effleure. Petite banane qui effleure à 50 mètres. Ah j'avoue là. 91 PV avec personne autour de lui, il est pas si mal que ça notre Et puis univers. Ouais, et au milieu en au plus. Au milieu, ouais. Juste cette mine, mais bon. Ouais. Cette mine dont tu disais qu'il était courageux. Ah oui, les deux. Là, il peut tuer quoi le dragon et faire quelques dégâts sur Aziz. Ouais, Aziz, il est bien, au milieu, il est bien collé, ouais. Donc il va pas prendre. Il sera pas éjecté. J'aurais fait ici aussi, ouais. Et c'est bien. Paf. Et voilà, c'est fait. Quoi le dragon terminé. Et c'est terminé, ils sont éliminés. Quoi le dragon. Aïe, top 6. Aïe, 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 aïe. Ils sont éliminés de la game de Worms. Et l'équipe turquoise qui était première pendant très très longtemps. Et ouais, elle a été turquoise quasiment toute la partie et ça y est, c'est une première équipe. Marco Tuto en liesse. Alors que Marco Tuto. Ils étaient convaincus, persuadés qu'ils allaient terminer dernier. Alors t'as vu, un tour complet, c'était à peu près 3 minutes. Ouais. Donc là. 2 minutes 30 même. Il peut se retrouver. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Il a passé le tour. Il a skip, ouais. Il a fait la corde. Donc il est en rage quit. Le problème c'est que si. Non, parce qu'en fait il veut pas avancer vers la droite. Bien sûr. Parce qu'il se dit overlight oui, après trop exposé. Mais le problème c'est que là, si tout le monde exploite. J'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un là. Donc là, la stratégie raclure du bidet serait que chacun exploite ses 45 secondes au maximum. Pour tuer Marco Tuto. Pour tuer Marco Tuto par montée de l'eau. Ah ouais, là, j'avoue. Mais j'ai l'impression que les gens sont pas assez tacticiens. ils veulent pas vraiment tout cet argent. Ouais, il y a une espèce de faux fair play qui évidemment disparaîtra au fur et à mesure que les tours passeront. Bien sûr. Parce que là, c'est le premier jeu. Tout le monde s'est dit bonjour pendant 12 heures. Et pourtant, s'il y a un jeu où il faut avoir aucune pitié envers son prochain, c'est bien Worms. Hein. Non mais là les gens ils se sont installés, ils ont branché, ils se sont prêté des câbles, ils se sont dit ah tu peux régler mon souci de clavier, oui, machin. Toujours cette pression évidemment que la personne se lève et vient te mettre un coup de boule quoi. Donc forcément on n'ose pas trop parce qu'on est pas tous fait pareil, mais oui bien sûr. On est au début. Des ponts, des poutres, alors aussi haut, peut-être pas. Il va falloir se lancer Wingo nous dit le jeu. Qu'est-ce qu'il fout? Hein? Il va se téléporter là? Il va se téléporter oh là. Là ils sont c'est le team play. Il va monter et refaire un pont en haut et ils vont aller le plus haut possible. Je pense que c'est ça qui va se passer. Alors, ça veut dire qu'ils ont compté les airstrikes. Ils ont compté les cartes.
Non mais c'est des fous. Ils ont compté les airstrikes. Non, mais il y a les homing missiles hein. Et non mais il y a aussi les bazookas. En vrai, homing missile, bazooka. Non mais je pense que c'est juste du gros trolling. Oh c'est pas sûr. Il y a aucun intérêt à aller là-haut. Bah si t'en fais une deuxième et que tu crées une si tu fais trois poutres et que tu crées un triangle et qu'après tu t'en fais une deuxième. Oui mais vu que tu perds ton tour en construisant, bah c'est quelqu'un d'autre qui peut aller se téléporter. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. À moins qu'ils aient compté les téléportations. Ou alors ils se protègent tout simplement du airstrike. C'est du bait, c'est du full bait. Ah dommage ça m'aurait plu. Alors que homing missile. Bah justement. Alors ça faut savoir s'en servir parce que. Oui. Attention là l'angle est difficile par exemple. C'est-à-dire selon la puissance voilà. Là faudrait tirer très haut et vertical selon moi. Ouais, et encore, vraiment vertical. Il faudrait qu'elle ait le temps de faire. Aïe, aïe, aïe. Alors là, l'angle. Voilà, elle va seulement commencer à tourner maintenant. Et paf. Et voilà. C'est full de la merde. Il faut savoir s'en servir. On en parlait, Xavier. Oui, c'est full de la merde. Non, mais, bon. Là, en fait, ça c'est pour un tir en cloche à la grenade. Le problème du homing missile, c'est qu'il faut attendre qu'il soit au maximum de son extension. Et, oui. En fait, c'était compliqué hein, comme tir. Attends, me dis pas que quelqu'un va se téléporter ici. Eh bien, si, Xavier, ça va arriver. Il y a un vert qui va se téléporter là. Et ah, c'est l'équipe de Overnight. En fait, ils ont bait leur ennemi. Les verts se sont dit putain, ils sont trop balèzes, faut qu'on prenne leur spot, c'est génial. Et là, Wingo et Kenny, ils sont en mode LOL. Regarde le nulos. Comment c'est possible de prendre ce bait? D'ailleurs, ils sont en train de rigoler, hein, Kenny et Wingo. Ah, non, mais clairement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, ils sont dans la tête des adversaires. Finalement, voilà, il y en avait quand It's même. A trap. Il y en avait quand même qui jouaient de manière un peu perverse. Après, est-ce qu'il se dit pas, de toute façon, je suis foutu pour foutu. Oh, alors que le violet s'est téléporté, Xavier. Oh, il se planque en haut de l'immeuble en se disant. Non, mais c'est fini. Kenny 2, il le tue. Ah, non, mais c'est sûr. Non, ils se disent. C'est parce que sur un malentendu. Ah oui, mais Kenny. Ah, Kenny 2, s'il rentre dans l'immeuble et puis Kenny. Kenny 2, il fait shotgun. Kenny il le tue. Wingo, il note tout, c'est ça le problème. Non mais Kenny 2 surtout, non, parce il shotgun, il dans la confusion, s'il y a une guerre qui se crée, l'eau qui monte, si quelqu'un oublie, si son adversaire le plus proche oublie qu'il est dans le bâtiment, c'est un blaze, ben incroyable. Ouais. Et ouais, bien sûr. Ah mais le problème c'est qu'il joue tout de suite derrière. Oh aïe, là, aïe, aïe. C'est terminé pour l'équipe violette. Ah, aucun risque, ça fait sera pris, deux hein. Suicides pour l'équipe violette. Ah oui, il va dans l'eau. Explosion festival. Extroplosé par la caisse à outils. Oh non, zut. Là, ça fait donc deux suicides. Hein. C'est beaucoup, mon cher Xavier, quand on a quatre verres. Ah ouais, alors qu'il aurait pu se TP ouais, dans une corniche à la con, mais bon. Bref. Mais bon, écoute, ils font top 5 alors qu'ils ont eu 2 HP la moitié de la game. Donc franchement, est-ce que c'est si grave? Bah, top 5. Alors là, c'est homing missile en haut? Non. Il va tenter le bazooka là-haut? C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il veut tenter ça. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Chalumeau, voilà, plus classique. Restons dans les classiques. Oh, on se régale. Alors, je sais pas combien il a d'HP, mais ça, attention, parce que... Ouais, là, il est quand même atteignable. Ah oui, non, clairement. Oui. Mais, il a combien de PV? 35, ouais. Ah non, c'est pas dingue. Là, tu vois, tu mets la sainte grenade au-dessus de lui, c'est fou. Les saintes grenades, il en reste pas beaucoup. Et puis le problème de la sainte grenade, l'oublions pas, c'est qu'elle doit être à terre avant d'exploser. Oui, c'est vrai. C'est compliqué, là. À terre, s'arrêter une seconde et paf. Pas mal du tout. Bon, alors. Incroyable. Joueur vert. Eh ben regarde, n'empêche, il s'est téléporté là-haut et pour l'instant, il a survécu presque un tour entier. Enfin, il a survécu un tour entier. Donc finalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a. Finalement. Il y a l'autre planqué. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'atteindre Kenny avec une ex. Oh, mais là, c'est très chaud. Il y a tellement de petits pixels vengeurs là. Oh oui, non, là c'est. Ou alors il veut creuser. Attends, il est au quoi? À la grenade, oui, ok. Il veut creuser près de Cola 2. Non, CS Cola 2. Parce que là c'est injouable au bazooka à cause du vent. Il reste 7 secondes. Ouais. Je sais pas. Et on va rentrer en mort subite d'ailleurs. Hein? Magnifique. Ok. Pas oublier que la grenade ne prend pas le vent, hein. Ok. Peut-être. Tu crois qu'il savait pas? Je sais pas. C'était quand même assez bizarre. Hein. Il a lancé en mode lanceur de baseball, quoi. Alors que des chargements, Xavier, que quelqu'un aurait déco. Non, c'est pendant le bordel de la mort subite. Ah non, c'est la mort subite, ça y est, l'eau monte, my bad. Ça y est, mesdames et messieurs. Ah, au moins, c'est pas la mort subite immonde où tout le monde est un PV, ça serait été. Oui, non, ça c'est l'Armageddon, je crois. Non, l'Armageddon, c'est la pluie de feu. Oui, non, l'Armageddon, c'est l'objet le plus fou du jeu. Bah, plus fou du jeu. Ça peut te. Oui, non, mais l'Armageddon, c'est genre, voilà, pour les fans d'e-sport, c'est le Yogg-Saron. Ah oui, voilà, c'est exactement ça. Le Yogg-Saron de Worms. Yogg-Saron qui n'est pas dans le Game Pass. Ah, c'est vrai qu'il est pas. Alors, joueur rouge au milieu, il reste des bananes, hein, on est d'accord. Je crois qu'il reste des bombes bananes. Genre celle de. Bah, si, en effet, elle s'était dans le loadout et pas droppée, oui. Je crois que team rouge, il reste des bananes. Et team bleu. Parce que vert et jaune ont utilisé les bananes, ça c'est sûr. Mais.
Mais voilà, ok. Voilà, là, il n'y a plus de... Là, il n'y a plus de bananes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Chalumoté, mais vers où? Parce que bon, c'est bien beau, toute cette merde, mais... Surtout qu'il y a ses solas. Bon, ensuite... Non, de toute façon, il est condamné à monter. Il est condamné à monter, ça, il y a zéro embrouille. Là, l'eau monte. Et s'il n'y a plus de TP, franchement... bah, il faut aller au clash. Voilà, il faut aller au clash. Ah. Alors, ça, c'est ridicule. Ça, c'est un misplay. Ça, c'est. Ça, je suis prêt à dire que c'est un misplay. Kenny et Wingo qui discutent. Hein. Je pense qu'ils méritent. Ah, à moins que. Non, mais ils sont tellement tryharders que ça se trouve, ils ont pris une petite règle, tout l'assisted, et ils se sont dit bon, on sait très bien que l'eau ça monte, à ce moment-là. Ça monte de 8 mm sur mon écran à chaque tour. Donc là. Ah, c'est vrai, c'est possible. Je suis safe. Ah, et voilà, il restait un raid aérien. Paf, mais le bait a fonctionné. Il restait un raid aérien, mon cher Xavier. Non, mais. Quelle idée à la con d'aller là-dessus, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah non, là, j'avoue que, bon, c'était rigolo 5 minutes. Non, mais, mais on arrive, voilà, là, c'est important. Mais voilà, on a rigolé. On c'est a le rigolé. Matin, c'est le matin. Les gens sont, ça, les joueurs sont encore bon enfant. Ça fait des belles images, quoi. Bien sûr. C'est la magie du direct. C'est la barre 65, de coup de bazooka. Alors, moi, est-ce qu'avec la propulsion, tu penses qu'on peut envoyer Fry 1 dans l'eau? Impossible. À gauche. Je pense qu'il y a trop de terre avant lui. Moi, je pense que le beau jeu... Ouais, pas tu vois, franchement. Du coup, ça sera un 50 max, mais plutôt un ouais, 40. Ouais, c'est sûr. Ça sera jamais 50. 37 même. Et alors que Wingo 1. Regarde ça. Non, mais il l'a prévu. Non, tu penses que c'est prévu? Mais non, il y a Kenny 2 qui joue avant. Non, mais, c'est non, mais ils ont encore le changement de verre. Ils ont le changement de verre. Ouais, ils ont encore un changement. Non, ils l'ont utilisé dès le début. Mais ils en ont deux, non? On en a deux, non? Ah, ils en ont utilisé deux. Donc si on en a trois, peut-être. Je sais plus. Ah, mais on a beaucoup trop d'objets, mais en classique, c'est incroyable. Même en classique. Après, ça se débloque avec la game, tu vois. Mais ouais, bah oui, ouais. S'ils ont pas de changement de verre, ils ont condamné Wingo, donc c'était peut-être un misclic en effet. Ouais. Et ça coûte cher ça. Moi j'avais call le misclic. Ça coûte très cher. Ça coûte cher parce qu'un verre à 80. Voilà, là il est en vie, lol. Et là, est-ce qu'il y a un changement de verre? Ils ont eu des caisses, je pense que. Non, mais il n'y a pas de changement de verre, mon cher Xavier. Incroyable. C'est donc terminé pour voilà. Wingo 1, il faut donc sauver. Ah là là. Ils activent un cheat code. Ah ça va, voilà, ça y est. On active les items secrets. Il va chercher son objet. Il peut se faire oublier dans la tour en vrai. Parce que s'ils ont pas la vision. Je pense qu'il hésitait d'aller chercher la caisse et d'aller se cacher. Mais là il a plus le temps. Du coup il veut. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Mais 25 secondes, hein, ne panique pas. Ça y est. Ah ouais, là, ça y est. Le film tourne dans sa tête. Ça y est, il se voit dernier de la partie. Lui qui pensait déjà aux phases finales. Vont-ils mais seulement sortir de poule? Si, il va falloir Ming Missile. Mais il va falloir aller se planquer derrière. Et il va pas avoir beaucoup de temps pour se planquer. Hein. Bon, il l'a eu en tout cas. Dès l'impact, ça va. Ah, mais il est dans le bâtiment, c'est bon. Ah, quoique, je pense qu'il dépasse. Je pense qu'il dépasse un peu. Ah oui. Parce que si on voit l'intérieur, voilà, si tout est. Et c'est terminé pour Wingo 1. C'est bon. Wingo 1 qui s'est noyé. Bah, en vrai, de toute façon, là où il est placé, il est impossible à aller chercher. Un bout d'air strike, mais le homing missile, c'est presque injouable. Je crois qu'il n'y a plus d'air strike. Donc, ouais. Ah, ouais, Wingo 1, Wingo 1 dont on avait parlé du génie du placement. Ah, Wingo 1 vient de se noyer. Hein. Ouais, finalement. Y a pas de secret. D'ailleurs, ce joueur bleu doit bouger. Mais comment? C'est la Ninja Rope. Ah, le problème, c'est que Cessolas 2 a été fort vigilant. Il s'est placé de manière à ce qu'on ne puisse pas l'éjecter. Moi, Ninja Rope, j'y vais à la caisse. Bah là, faut y aller, hein. Moi, Ninja Rope. Ah, il a une TP. Ah, mais la TP pour mourir. Hein. Oh, ah, ouais, mais là. Moi j'irai là où il y a la tombe plutôt. Juste à droite de là où il était. Ou peut-être se téléporter. Ah non, il a pas assez d'HP. Sinon j'allais dire sur la mine vraiment all-in. Mais si t'as 100 HP, c'est possible. Là où il y a la tombe, ouais, il peut pas être éjecté. Ouais, c'est vrai. Et ouais, et ben d'ailleurs il y va. Streamhack. Non, ils réfléchissent. Ils sont en train de discuter entre eux. Mais oui, en mode, ah, tu devrais peut-être te mettre là pour c'est protéger. Clairement ouais, le meilleur c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Incroyable. C'est marrant parce qu'il reste vraiment. Ah oui, mais il reste 4 verres là. Il a que 35 points de vie donc si. Là, il reste 4 verres, on est d'accord. Ouais. Donc un par équipe, là c'est vraiment chaud. Là, t'arrives au moment où tu te dis putain, le top 4 il fait mal quoi. Oui, Wingo et Kenny ils vont être en PLS hein, si ça se passe mal parce que. Ouais, le top 4 il fait vraiment mal. Streamhack évident. Bah non, clairement pas puisqu'ils n'ont pas de casque sur les oreilles. le worm full life c'est un peu dommage. Il y a encore un jetpack. Oh, c'est Kenny qui va prendre évidemment. Que tactiquement. On va aller chercher ça. Quoi qu'il y a une possibilité de double kill. Mais il faudrait quelque chose de fort, une dynamite ou une holy grenade. Là, il se pose la question du coup. Après une banane là-bas, mais je sais pas si les verts. Ah non, les verts l'ont plus. Grenade sur Kenny, ça tuera pas. Mais s'il éjecte, ça tue. Ah non, oh, il se met là. Oh, pour essayer de tuer Aziz. Mais avec une grenade du cul. Ah mais là si c'est timé. Ah oh, putain, c'est chaud. Oh là là, et il mérite bien sa quatrième place. Hein. Oh.
Moi je dis le retour de bâton va être terrible là, parce que ce play et cela dit 91 sans pouvoir se faire éjecter. Ce play il pue un peu le sexe hein. Aïe aïe aïe. Oh là là, non. Bon, ensuite il est pas placé de la pire manière, parce que je pense pas. Si Kenny pourrait aller le chercher avec une ninja rope assez facilement. Non mais Kenny, je pense que là il vise la survie. Non mais Kenny, c'est bon, non mais c'est des gamers. Ils vont pas turtle. Là en plus tu peux plus permettre de turtle, l'eau monte. Oh la sainte grenade sur qui prendre. Sur Overlight, bien sûr, c'est la seule manière de le tuer. Kenny. Ah ça c'est sympa. Tactique, mais vu l'essence qu'il a. Oh, ça va être un drame. Oh non. Ça mérite une quatrième place. J'avoue, j'ai mal parlé des verres. Il est dégoûté. Bah ouais, mais là, franchement, il a voulu focus une tête de poule. Ah, il a voulu jouer sale. Mais le problème, c'est que quand on veut jouer sale, il faut avoir un plan. Oh non. Et il a décidé d'être une raclure, alors qu'il avait déjà utilisé 60 d'essence. Oh non, ça c'est mal. Ninja Rope. Là, il faut remonter en Ninja Rope. Il vient débloquer un missile, un raid aérien là, ou un truc du genre. C'était pas un mortier, genre. Ouais, ou un mortier, mais peu importe, quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'il monte avec la Ninja Rope. Cette situation. Je crois que c'est pas un raid aérien. Léon, il est là le 1. Non, c'est. C'est totalement un raid aérien. Ok, donc il tue Aziz et il fait top 2. Il s'assure le top 2. Attention, hein. Faut quand même qu'il y en ait deux. Paf! Non, ça tue. Je pense que ça tue. Je pense que ça tue pas. En fait, il y en a une qui a pris le haut de la corniche. Ouais. Il y en a une qui a pris la corniche, du coup, il a juste pris le coin d'une autre. Ah non! Mais là, en vrai, lui doit aller faire un Dragon Punch sur Overlight 2. Faut faire un coup de ninja rope quoi. En même temps, moi je ferais un pont à sa place. Moi j'aurais fait un pont au-dessus de moi. Tu ninja rope, tu mets le dragon. Mais non, tu fais un pont au-dessus de toi parce que les autres ils vont se tuer. Oh la banane. Mais il faudrait la mettre plus en l'air. Deux secondes, c'est trop. C'est trop, deux secondes, c'est trop. C'est trop. Il se va se tuer. Il s'est tué. Il s'est tué parce qu'il a 9 HP. C'est sûr qu'il est mort. Les peintres, y'a que ça, des suicides. Eh ben super. Et ça veut gagner 30 000 balles ça. Bordel de merde. Oh non. Non mais c'est un jeu difficile. Bien sûr, c'est un jeu plein de surprises, mais tout de même. Et c'est donc minimum top 2 pour ces deux équipes, donc Kenny et Wingo. Mais aussi. Incroyable. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, mais aussi Pharaon et Overlight. Avec le bazooka, ça tue. Oui, ça le bazooka, tue à 100%. Ça tue, hein. Sauf s'il a un rebond heureux. Et alors que tu vois, il se serait mis juste au-dessus avec la petite Ninja Rope. S'il se fait éjecter au-dessus, c'est vraiment un miracle. Allez. Mais ça le tue pas. Ça fait 50 max. Ça le tue pas. Ok. Dernier coup. Est-ce qu'il meurt de l'eau? Non, il meurt pas de l'eau. Mais par contre, il s'est bien placé. Donc il y a pas de ninja. Enfin, il y a pas d'éjection. Non mais là, il faut qu'il se protège, qu'il se téléporte ailleurs. Oh la TP c'est 0. Ah. Ouais non, alors moi. Oh là là. Moi, je serais allé au petit spot. Le petit spot, il est. Ah oui, mais derrière, il peut plus jouer, donc ouais. Ouais, il sera obligé de se re-téléporter s'il va au petit spot. Il y a pas de ninja rope en fait. Ah mais là, tu veux qu'il aille où? Si, y en a. Mais là, pour aller où? Bah ninja rope pour se mettre à côté de lui et tenter. Pour tenter le go quoi. Tenter de le tuer quoi. Quoi? Parce qu'il a. Ouais quoi que. Si, il y a le mouton. Avec un mouton. D'ailleurs, s'ils se tuent ensemble, je sais pas ce qu'on a prévu. Égalité dans Worms. Pour le draw, ouais. Je sais pas. C'est les admins, ça. C'est pas mon travail. Pas tout faire. Oh là là. Non, y a pas le super mouton. Alors là, faut voir de quoi ils disposent. Le mouton et la grand-mère. Je sais qu'ils ont pas de banane. Ils ont plus de raid aérien. Ils ont plus de homing missile. En théorie. À moins qu'ils aient un homing missile. Oh, ils ont peut-être pas tout utilisé. Oh, il y a un jetpack. Ok. Bah il faut pas se chier, normalement c'est gratos. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un jetpack par équipe. C'est une boucherie. Tu mets n'importe quoi. Tu mets n'importe quoi. Faut juste pas s'éjecter dans l'eau avant. Oh là là. En même temps, ouais. Pas s'éjecter en même temps dans l'eau. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, j'avoue. Ça clôturait. Attends, mais il a plus le temps. Il a rien fait. Il a plus le temps. Il s'est fait. Il va. Quelqu'un dessus. Oh non. Homing missile, il en restait un. Mais oui. Et il a quand même décidé ça. Attends, mais attention, ça touche peut-être pas. Non, c'est bon. Et ça touche et c'est terminé, même mesdames si ça touchait et messieurs. En dessous, c'était bon. C'est terminé, mesdames et messieurs. Ce sera donc l'équipe de Pharaon et Overlight. C'était honteux. Ah, c'était honteux. Est-ce qu'on peut passer sur une autre game, mon cher Michel? Je sais pas si. On a le POV du mate de Moment et du mate de Skyheart. Mais comme il joue sur le PC de Moment et le PC de Skyheart, on n'en avons aucun autre POV, mon cher Xavier, car ils ont joué sur le mauvais PC. Ah, c'est bien dommage. Bravo. Ce qui veut dire que nous n'avons plus aucune game à nous mettre sous la dent, à moins qu'un caméraman aille filmer la game. Une petite pause de quelques heures. en termes de production, est-ce qu'on a un caméraman qui va aller se placer derrière un joueur? Le caméraman volant. Tout à fait possible.
Tout à fait possible. Michel est en train de se couper tout ça. Alors que, vous contemplez ce magnifique plateau, mesdames et messieurs, que nous avons avec des, notamment des bougies. Car oui, mesdames et messieurs, sachez que nous n'avons pas de mode observateur dans Worms et que... Et que donc, ce qu'on avait fait pour Zidane, c'est qu'on était rentré dans la game et on s'était tué. Mais comme il y a 6 slots maximum et que là, il joue à 6 dans la game, eh bien, on ne peut pas faire cette astuce. Donc, il n'y a pas de game. Donc, on a dû prendre les POV des joueurs et on ne pouvait pas prendre tout le monde, etc., etc., etc. Bref, beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. J'ai aussi une autre solution, mon cher Michel. C'est finalement d'aller voir le live d'un des joueurs. Ça, c'est une solution tout à fait gérable. Hein, une fois que j'aurai soutenu le streamer. C'est beau. Hein. Une fois que j'aurai soutenu le diffuseur. Pour c'est regarder. Beau. C'est beau hein, de ne pas avoir de bloqueur de pub. C'est même en event. Ah, bien sûr. Quelle intégrité. Hein. Ah, regarde, POV de moment. Ah, waouh. Incroyable. Ah, on vit l'event. On vit l'event. Eh, la qualité d'image est. Ils sont en mort subite. Qualité d'image un peu meilleure qu'une C920. Ouais, ça c'est l'avantage. Faut quand même l'avouer. Hein, quand même l'avouer. Ça c'est l'avantage. Alors bien sûr, hein, là, quelqu'un qui arrive sur le stream, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette prod de connard. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler le contexte des choses. Contextualiser, c'est toujours très important, mesdames et messies. Bien évidemment. Alors que, eh bien, je soutiens les diffuseurs hein, de mon côté. Moult soutien. C'est plaisir sur les pré-rolls Twitch. Hein. Moment et Kalen. Alors ils sont très beaux hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça nous intéresse pas forcément de les voir. C'est plus leur partie. Plus leur partie. Alors je sais pas quelle couleur ils sont. Moment ils sont verts. De discuter. Après évidemment les caméramans vont peut-être pas forcément tenir ça pendant 25 minutes. Alors, en tout cas très joli Streamlabs. Mais voilà super hein, les alertes. On peut lire peut-être des subs hein, de moment. Mais peut-être tu peux passer sur mon POV mon cher cher Michel car j'ai la partie de Kamak. Nous sommes chez Kamak. Nous avons la partie de Kamak disponible sur notre POV. Alors même si évidemment on aura certains éléments. Ces angles morts je m'approche. On aura certains des éléments du décor notamment l'une de ces cams qui cache une équipe. Mais bon tout le monde ne peut pas être parfait mon cher Michel. Mais sa cam cache les équipes. Donc voilà, on va afficher notre cam. Tu peux la mettre en bas à droite d'ailleurs et il y aura pas de problème. Donc on est chez la game de Kamak qui apparemment était sensationnelle, en tout cas dans ses débuts. Il y a quelqu'un qui a récupéré de l'extra life. Là, Xer 1 est à 125 alors que tu as l'air de. On t'a changé de résolution. Oui, alors, excuse-moi, de quoi? Perdu en qualité, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Tu devrais mettre en 1080p. Je vais mettre qualité 1080p qualité source. Auto, voilà, pas de qualité auto, car on a une bonne connexion. Et quelqu'un vient de se noyer. Ils sont en mort subite, mais ils avaient l'air d'avoir une map un peu moins cruelle. En tout cas, elle est bien trouée maintenant. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on a eu beaucoup de verts en vie en mort subite dans la game de Kamak. À la game de Ah oui, ils ont Sibou également. Kamak, c'est l'équipe verte. Donc, l'équipe verte pour Kamak, Sibou et Pakam qui sont donc en je sais pas quoi, puisque j'ai l'impression que l'équipe bleue a oublié de nommer ses verts. On a Jazz Hands qui est dans la game. Ah, oui, c'est les noms par défaut. Donc je pense que Xibou et Pakam. Ils sont là pour la bonne humeur, ouais. Ils sont là pour on peut pas toujours lire les règlements, les appliquer. C'est ça, Xibou en bleu. En même temps. Mais ouais, voilà, donc Xibou en bleu, effectivement. Alors que Kamak a enlevé toutes ses cams, carrément. Rage quitte. Oh là là, mais non, justement, c'est pour nous aider. Et ouais, peut-être qu'il a, il a eu des infos. On l'a briefé. Incroyable! Quel talent ce Kamak. Bravo! Il nous fait des courbettes. C'est pour l'amour. C'est pour l'amour. Donc on va regarder la fin de cette game, mon cher Xavier. Yes. Panador et Sans Sucre sont en train de jouer avec déjà une équipe éliminée. Effectivement, hein. Voilà, il y a une équipe éliminée. Une équipe éliminée qui est donc en plein top 6. Les games se terminent partout ailleurs dans la salle. D'accord. Il y a encore. Ça y est, il sort des fourrés. Alors il peut jouer hein, derrière le Blowtorch. Ah non, mais si t'as fait ça, faut jouer, faut faire quelque chose. Ah, mais une seconde. Ah, mais non, oui, non, il peut pas. Bien sûr que non. Il s'est juste mis une sortie. Il s'est mis une sortie, problème, il ressort. Ouais, parce que il est. Mais là, ouais, enfin, même de là, on peut le faire couler. Hein. Alors, c'est vrai qu'eux, ils ont eu une map cruelle, parce que t'as vu, il y a une sorte d'appendice. Oui, il y avait la. Je sais pas si t'as vu. Il y a la sous-map, ouais. Ils ont une sorte d'appendice, voilà, qui part sur la droite, et en dessous, tout un saut de verre qui a dû périr le au tout début. Cul, c'est ça, effectivement. Dès le début. Alors là, il y a même un trou vers l'eau directement. Je pense même qu'il pourrait tuer Xer 1. Oui, c'est ça, Xer 1, il est sur une cuvette. Avec un coup de bazooka, là. À mon avis, il le tue. Hein. Assez drôle de voir deux Worms, d'ailleurs, boostés en énergie. Ce duo se sont gavés. Ouais, totalement. Bon, une seule caisse de soins, finalement, puisque ça donne 25. Il y en a deux, là. Il y a Xer 1, grâce que deux. Il y en a une autre à gauche. Ouais. C'est vrai que quand tu commences à avoir 150 HP, ça devient vraiment un vrai truc. Hein. 125, c'est un bonus cool. Ouais, mais sauf que là, il y a tellement peu de terre restante que ça va peut-être pas jouer à l'énergie. Ouais, c'est ça aussi. Ah, ça va être marrant. Parce que là, c'est vrai qu'on va peut-être jouer la mort subite jusqu'au bout. D'ailleurs, Sibou, j'espère qu'elle joue bientôt. Parce que le Jazz Hands, là, il est pas mal.
Ah ouais, c'est vrai c'est que Jazz Pepe Hands là. Pepe Hands, effectivement. On ouais, a voilà. On a encore quand même tous les joueurs en vie sauf une équipe. Ah bah ça, faut que ça soit maintenant, s'il y aura pas de tour, hein, il y aura pas de deuxième tour. Hein. J'essaie de repérer quelle équipe est éliminée. Je crois que c'est Mopolu et Sickman 29. Mais ah non, Sickman c'est les jaunes. Réfis, Rasque. Ah, c'est Velkas et Elite for Peter qui sont éliminés. Très bien. Voilà. Du groupe. Du groupe. Ah non, là tu vas pas skip ton tour, non. Ah non, bah non. C'est la TP, évidemment, du désespoir. Ah, c'est vrai qu'on peut regarder là. C'est vrai qu'on peut regarder. Ah oui, c'est vrai qu'on voit mieux là. Ah, oui. Formidable. Problème d'écran, toujours. Beaucoup mieux. Ouais. Dans le mort. Alors, téléportation. En vrai, moi, tu peux aller dans le trou là. Hein. Le trou qui est fait, c'est dispo ça. Ouais, voilà là. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs qu'au Game Awards, il y avait de très belles télés. Ah ouais, les Samsung. Ouais, les Samsung QLED, les pubs toutes les deux. Dont on n'a pas assez entendu parler, je trouve. Ouais, ça fait. Et Magic aussi. Ah, Michel, là, je pense que tu peux nous envoyer des caméras sur Xerac et Kamak. Hein, parce que là, c'est clairement eux qui faisaient les malins. S'ils sont éliminés, ce sera chouette de voir leur. Ils faisaient réaction. Les dingos, ouais. Effectivement. Donc ce serait. Effectivement, mon cher Michel. Ok. Alors, que se passe-t-il? Ça lag. C'est ça qui se passe. Hein. Ce qui se passe, c'est que là, la game plante. Hein. Ah c'est oui, il y a un loading. Ah non, c'est bon. Ah, mais c'est toujours la mort subite. Ben non, mais la mort subite, on y était. Les loadings qui font bien flipper, c'est ça te déconnecte 5 mecs ça, à la fin de la partie. La tension est à son paroxysme. Ah, mais ça, c'est l'e-sport. Hein. C'est forcément l'e-sport. Le backflip, c'est bon, il s'en sortira. Et il va rester. Ouais. Alors, c'est quoi son plan après? Après son coup? Parce que rester sur ce petit crochet, c'est pas top. La banane. Oh là, s'il met en l'air. Et là, s'il met en l'air. Oui. Avec une seconde. Une banane à franchement, il peut gagner la partie. Sur un malentendu. Et j'avoue. Franchement. Une banane à bombe termine la partie, mais il va partir sur. C'est sainte grenade. Oh, c'est tiré si droit. Bah oui. Bah oui. C'était probablement le plus improbable des résultats. Bah c'est de la merde. Et il reste en haut en plus. Alors que la banane est l'unico fruto de la mort. Ça aurait pu vraiment. Oh, et ben Xer est éliminé. Kamak. Et son coéquipier ont perdu oui, un verre. Ah oui, c'est pour ça qu'ils avaient l'air en PLS. Mais ils ont toujours un. Mais où est-il? Le verre vert. Le verre vert. Mais non. Mais quoi? Rav Xerac. Où est le verre vert? Il reste un verre vert. Non, mais c'est peut-être le temps de chargement fini. Qui joue là? 33 secondes. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont bougé la caméra. Ah non, il est en train de toucher à sa manette en disant « Merde, bordel, au secours !» Ah bah écoute, ça fait des belles images. Tout à fait. Je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il est. Le niveau de sel va être à son paroxysme. Alors que Momo et Kalen. Momo et Kalen qui se high-five. Ils ont dû faire top 1 dans leur game. Ouais, je pense. Ils ont dû gagner. Momo et Kalen qui n'ont pas voulu qu'on regarde leur game en jouant sur le mauvais PC. En sabotant les PC, bien entendu. Voilà, c'est quand même bien dommage. En tout cas, on a ce tour qui se passe et on ne sait pas ce qui se passe. C'était le tour vert, il était buggé. Ils avaient bien perdu leur dernier vert. Oui, d'accord, ok, ouais. Donc voilà, donc Kamak et Xerac font top 5. Dans leur game, c'est bien dommage. Ah là là, est-ce que c'est une déco sauvage? On ne sait pas. Ah oui, c'est vrai. Non, on va pouvoir ops la suite quand même. On va pouvoir ops la suite de la game, effectivement. Sauf si. Ouais, non, c'est bon. Avec la team. Ah, c'est vraiment dommage. Là, Sickman, la team jaune, là, avec une banane en l'air, ils pouvaient même gagner la game, hein, sur un malentendu. Moi, je maintiens. Hein. Ah, ça a dû. Persiste et signe. Ça a dû être utilisé déjà. Et juste à la fin donc, de ces games de Worms, on fera un petit point sur le classement, mesdames et messieurs, de chaque pool, etc. Puisque les résultats arrivent au fur et à mesure sur vos écrans. Chanson de Liane Folie. Comment ça se passe? Tout le monde a deux verres, en fait? Non, les violets ont deux verres. Rask et Néphilis ont deux verres. Enfin, c'est les... Sibou et Pakam, Jazz Hands, avec leurs verres. Ouais, les turquoises, tout à fait. Et les jaunes n'ont qu'un seul verre, par contre. Ça, c'est. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils se rejoignent tout en haut, ils jouent la montre. Bah là, j'ai l'impression que tout le monde essaie de survivre, plus personne essaie de faire de kill. Enfin, si, on a eu une tentative de Sickman, joueur jaune, mais effectivement. Ah, Néphilis 2, ça va être compliqué. Hein. Ah, petite arme pour Sickman. En plus, il leur reste qu'un seul verre, donc c'est forcément. Ah, ils ont. Ça fait pour l'instant le jeu de Sickman si tout le monde est en survie. Ils ont honte, forcément, Kamak et Xerac que vous voyez sur l'écran, hein, ils ont perdu. Banane. Alors là, attention, faut s'éloigner. Hein. Ah, ça y est, c'est parti pour la strat de la banane. Mais il y a son pote aussi. Ah ouais, il y a son pote et tout. Là, honnêtement, Sickman a coup de bazooka. Moi, j'aurais éliminé Sickman, hein. J'aurais juste éjecté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que. Non. Ah, ça va être un drame. Hein. Non. Ça peut très mal se passer. Hein. Non, mais en plus, il peut se la prendre dans la gueule avec l'explosion et tout. Non, mais. Oh mon dieu. Mais fallait lancer le jeu avant de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quel gâchis. Okay. Non. Mais sans sucre, même pas. Ah ouais, même pas. Non, ça c'est un gâchis énorme. Ah, je pense qu'ils sont tétanisés par l'enjeu dès que leur game est observé. Ah ouais, là c'est vraiment. Sickman, franchement, c'est une honte.
Sigmund, c'est pourrais, honteux avec ce placement. Il pourrait mourir en une seconde. Il s'est offert, mais personne ne va le prendre. Et ça, c'est terrible. Non, c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Ça, franchement, ça me choque. Ça me choque énormément. C'est totalement choquant. Ok, bon. J'essaie de regarder ce qui se passait. On a certaines games qui sont un petit peu en retard. Bon, on vous parlera des... Ah, visiblement, un magnifique alt-tab. Bureau, mon cher Kamak. C'est bon, hein, c'est bon. Ouais, pas de problème. Pas de problème. On ira voir un petit peu, effectivement. Il y a certaines games qu'on pourra pas forcément vous observer, mais on ira faire un petit tour du côté des... Oula, hein. Pardon, excusez-moi, on n'avait pas paf vu. Et paf. Bah ça, c'est le risque d'être en haut. Ah, ça, bah oui. Au bout d'un moment, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Merci, James Poe, pour les 9 mois de sub. Effectivement. Ah, énorme. Chez Kamak. Ça sub à mort chez Kamak, hein, visiblement. N'hésitez pas, hein, vous apparaîtrez sur le live si vous subez chez Kamak. Évidemment. Et mine oui. de rien, Sibou et Pacam, hein, qui restent en... toujours avec en Jazz Hand. Alors, Sickman, il a une décision à prendre parce que... Alors, lui, vraiment. Là, si c'est Bazooka sur Jazz... Oula, il y a des trucs qui disparaissent dans le jeu, là. On découvre des trucs en retard, on là. On a eu du lag. Il vient de tomber d'un coup. Là, full Bazooka sur Jazz Hands, c'est... Ah si, regarde, ils sont tous en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? On est d'accord que la plateforme vient de disparaître. C'est ça aussi, le Game Pass Challenge, moult surprise. Ah, bah, c'est la magie du direct. C'est l'admin qui a cliqué sur faire disparaître la plateforme. J'ai l'impression que même les joueurs se disent, voilà. Bon, par contre, il faut jouer, hein, parce que ça empêche pas de... Ah, peut-être qu'ils peuvent pas jouer. Ah non, mais c'est, attends, c'est l'autre pool, en fait. Peut-être qu'ils ont déco. Peut-être ont-ils déco. Non mais oui, les gens qui nous font des signes, c'est pas les gens qui jouent dans la game. Ah oui, non, rien à voir en fait. Mais Sickman par contre, mais qu'est-ce qui se passe ? Soit il est AFK, soit il a paralysé que c'était à lui. Tétanisé. Il doit avoir un problème. Sinon, ils sont tétanisés par l'enjeu. Parce que là, les gens que vous voyez vous questionner, c'est pas du tout les gens qui jouent dans cette game. Je sais pas pourquoi. Ça fait de belles images. Ne nous montrez pas ces gens. Tout se passe très bien ici. Bon, du coup, Rasque 2. Ah oui, non mais d'accord, en fait, on se téléporte dans le temps, on loupe des actions. Ah oui, parce que vu qu'il est mort, vu qu'ils ont, ils sont plus dans la game, peut-être qu'on voit pas toute la game. C'est oh peut-être là ça là, qui se passe. C'est Kama quand. Ouais, voilà, il télécharge beaucoup de choses. On nous fait signe que c'est sûrement ça. Parce que le mode Ops de Worms n'est pas forcément ultra adapté à l'e-sport pour l'instant. Nous vivons cette game à travers voilà, des axes parallèles, des plans astro différents. Mais en tout cas, tout se passe. Oh, magnifique, yes. En tout cas. Ça, non, moins... Fallait lancer le jeu avant quand même. Au moins, ça, on l'a vu. Et ça aurait été dommage de le louper. Ils vont tous mourir en prochaine montée des eaux. Quelle idée de pas la lancer en l'air, bordel non, de merde. Mais fallait lancer le jeu, je suis désolé. Énorme, énorme. On peut pas faire ça. Il y avait 6% de chances d'être pris dans les sélectionnés. Faut lancer le jeu, je suis désolé. Faut avoir regarde, un peu de respect. Cette scène est magnifique par contre. Hein. Faut avoir du respect. Il va mourir de l'eau au prochain tour, il n'y a aucun ouais, suspense. Ouais, mais au moins qu'il meure top 2. Qu'il meure top 2, tout à fait, Xavier. Allez, paf, en plein dans la gueule. C'est bon, pas besoin de viser. S'il passe au-dessus. On n'aura jamais vu une Ninja Rope. Je tiens à dire que je commence à être triggered. Et ça, c'est la preuve qu'ils ont jamais lancé le jeu. Et paf! Oh, il va survivre! Il va survivre! Sur son bout de corniche. Non, mais il va mourir de l'eau! Il va mourir, ouais. C'est lui le premier à y il passer. Il meurt de l'eau instantanément. Mais, il a failli rêver. Alors que vous voyez des gens se check qui ne sont pas dans la et game. Et Panador va tenter le backflip et mourir. Je te rappelle que les gens que vous voyez à l'écran ne sont pas dans la game, mesdames et messieurs. Attention. Ah si, eux ils sont dans la game. Attention, attention, attention. Eux ils sont dans la game. En fait, depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Alors que va-t-il se passer? Attention, là il y a du decision making. Et là, désolé, mais il suffit de se téléporter, de faire passer le tour. Parce que l'eau monte et il meurt. Et s'il a pas de TP, et jetpack. Mais attention, s'il se cogne la tête et qu'il fait de la merde, c'est bon. Ça. Mais là, c'est gagné. Là, il fait fin du tour et c'est gagné. Et là, il essaye de le tuer au bazooka, mais en fait, il se tire dessus. Michel nous montre avec le spoil que, eh bien, c'est terminé. Tout à fait. Non, mais bon, après, c'est les. C'est les moyens du bord avec le mode Ops de Worms. Hein, mais non, mais c'est parce qu'on vit ça à travers le stream, mais nous on a le direct, mais on vit ça à travers le restream de Kama. C'est des émotions. Ils essayent quand même de le tuer. Hein. Non, mais quoi à la grenade une seconde. Non, mais oh putain, parce que ça, là elle se bloque dans le pixel. J'ai envie de dire, heureusement que ça s'est joué avec la montée de l'eau. Parce voilà, que... exactement. Voilà, formidable. Donc la c'est team de Panador. Panador et Sans Sucre qui finissent premier, suivi de Rask et Néphilis. Bien incroyable. Joué, mon cher Michel. Allez, alors que les poignées de main cordiales. Félicitations. C'est vraiment fou. On s'est régalé. Alors, est-ce qu'on a encore des games en cours? Je pense que je peux trouver des gens qui jouent. Et je pense savoir sur qui je peux me diriger. Voilà, exactement. On peut se diriger. Sibou et Pacam, ils viennent de finir. Hein. C'était la même game. Si Twitch pouvait arrêter avec tous ces pré-rolls. Hein. Malheureusement, bon, voilà, on soutient. Soutient beaucoup les diffuseurs actuellement. On va aller se diriger vers Mizu et Kyria qui sont dans la poule orange avec notamment Arcanthor. Ah, mais elle est en Real Talk. Si elle n'a pas été briefée, qu'il fallait montrer la game. Ouais, non, mais alors c'est peut-être parce qu'ils ont quitté. Bah, le rage quit. Le fameux rage quit, bah oui. Ça veut dire qu'elles ne sont pas top 1.
Mais après, c'est pas grave. Hein. On peut regarder d'autres. On peut regarder d'autres points de vue. Il y a aucun problème. On va écouter. On va essayer d'aller chercher une information. On va aller chercher beaucoup d'informations ici sur ce Game Pass Challenge. Parce que bien sûr, on est en phase de poule, donc c'est toujours un peu compliqué, vous le savez. Les phases de poule, on essaie d'observer ce qu'on peut observer alors que vous contemplez ce magnifique plateau, mon cher Xavier. Tout à fait. Ah mais je sais qui stream. Hop, je sais qui stream. Voilà, on a cette équipe-là qui stream aussi. Je vais me diriger directement. Sur voir les gens. Ah non, on est déjà en train de créer les trucs suivants. Ah ouais. Okay. Regarde comme il respecte le sponsoring. Ah ouais. C'est incroyable. Il a un plan sur chez, cette chez War Legend. Bah écoutez, je pense d'énergie. Qu'on est en train de terminer chez tout le monde. À mon avis, on va aller faire un tour du côté des joueurs. Alors toi, mon cher Xavier. Bien sûr. Peut-être que je vais te libérer maintenant. Ah. Peut-être que je vais te libérer maintenant et on te tel reverra. Tel un employé d'Eclipsia. On te reverra. Je suis libéré. On te reverra pour moult jeux. Ah oui, alors moi, en fait, ouais, je suis pas là pendant pas mal de temps, mais en effet, si il y a égalité entre les poules, on me reverra pour un jeu décisif. Tout à fait. Et du commentaire de très haut niveau e-sportif, hein, beaucoup d'expérience. Tout à fait, on verra Mister MV et moi-même sur Rocket League si jamais il y a des égalités en phase de poule, et s'il n'y a pas égalité, on te reverra sur Human Fall Flat. En début d'après-midi, qui sera, voilà, en 16e de finale. Les éliminatoires, les phases éliminatoires. Voilà. Bon, je te laisse MV, régale-toi. Ah, c'était fantastique. Peut-être me mets pas. Ouais, pas besoin de mettre. C'était incroyable. On va aller voir un petit peu les joueurs. Des bisous, Xavier. On va voir les joueurs. Merci beaucoup. Avec ce premier round qui s'est terminé, alors que je vais remettre mon oreillette. Si j'y arrive, c'est fait. Formidable. On va aller voir un petit peu des gens que j'ai cru voir exulter après leur première partie, notamment Kalen et Moman, qui. N'ont pas voulu nous montrer leur partie, mais je vais aller les voir quand même. Je vais voir ce cher moment qui est ici. Salut ! Dommage que vous n'ayez pas joué sur le bon PC, qu'on n'ait pas pu voir votre game. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, alors raconte-nous un peu ce qui s'est passé. On va dire que c'était très dur. Heureusement qu'on a campé dans une petite maison pendant que les autres étaient en train de se battre. On s'est fait focus parce qu'on est streamer. On s'est aussi focus nous-mêmes aussi parce qu'on est streamer. Ça crie au scandale derrière. Honnêtement, on a vraiment joué camping. On a tous joué campeur. Vraiment, on a fait des. Tout le monde dans le truc, on s'éliminait pas. Il y a les joueurs de Minecraft, ils voulaient éliminer tout le monde. Et à la fin, ils se sont tous tués, pas nous. À un moment, on était trois. Et ils voulaient tuer l'adversaire, mais s'est tué en même temps. Et on a gagné sans jouer. Bon, félicitations. Je crois qu'on a. On a quasiment tout le monde qui a fini ses matchs. On ira voir un petit peu le résultat de tout ça. Et je crois que vous avez le classement, hein, mesdames et messieurs, qui est à jour sur vos écrans, que je vais aller découvrir avec vous, puisque certaines phases de poule, quasiment tout le monde a terminé son match de Worms. On va découvrir ensemble le classement, mon cher Michel. Voilà. Donc on a, ça y est, sur chaque groupe, comme vous pouvez le voir, groupe A, groupe B, C, D, E, F, G, H, chacun avec la position à laquelle il a terminé pour Worms. Donc, groupe A, on a Notiori et groupe B, on a Faron et Overlight. Groupe C, Panador et Sans Sucre. Groupe D, Mangor et Orion Ours. Groupe E, Ophéine et Tissom. Groupe F, Moment et Kalen. Groupe G, K et Patapix. Et enfin, groupe H, Trevelers et Flex, mesdames et messieurs. Alors que, évidemment, vu que toutes les games sont terminées, on va très probablement passer au prochain jeu, mon cher Michel.